Salut tout le monde! Salut les amis! Soyez les bienvenus sur Nuria TV pour le dernier direct de l'année 2020. Il était temps qu'elle se finisse cette année, non? Ben, je sais pas si j'ai envie de commencer l'autre. Je sais pas où me positionner là. Il y a un petit peu de ça aussi, mais bon, on va dire au revoir à cette année 2020, en tout cas pour ce dernier live. On est très content de vous retrouver toutes et tous sur le chat. Je vois que vous êtes nombreux déjà connectés. Mélanie qui est là, qui nous dit bonne soirée à tous, popcorn prêt. Eh ben écoute, on n'a pas pensé au popcorn, mais c'est une excellente idée. Claude qui est là aussi, Carpe Diem, Caroline Pérez, Audrey Watt, Axel Audrey Nielsen. Watt qui nous dit bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde a son carnet de correspondance et son bulletin de notes pour le conseil de classe. Attention, très bien Audrey. Un petit bon point comme ça sur la dernière ligne droite, Audrey, au top. Les félicitations vont pleuvoir ce soir. Alors comment ça va se passer ce soir les amis? On va prendre un petit moment, je pense jusqu'à 21h15 dans ces eaux-là, où on sera là avec Nora pour répondre à vos questions, parce que le reste de l'année, on a des invités, donc il y a peut-être des questions que vous souhaiteriez nous poser, et ces moments sont prévus pour ça, pour qu'on puisse y répondre le plus honnêtement possible. Et après ce petit passage entre nous, on a un invité qui va nous rejoindre sur l'antenne pour finir l'année avec nous. Ceux qui étaient présents lors du dernier direct la semaine dernière le savent qui c'est Jean-Pierre Petit qui nous rejoint, qui nous fait encore l'honneur d'être sur l'antenne de Nuria TV. Il aura 2-3 petits trucs à partager, il sera là pour répondre à vos questions, à nos questions. Voilà, on va finir cette année de la meilleure manière qui soit, avec, ne nous le cachons pas, notre invité préféré. On aime beaucoup tous nos intervenants, mais Jean-Pierre Petit, vous l'aurez compris, sur Nuria TV, c'est une institution. Exactement, il y a José Parera qui te demande, Guillaume est assis sur un tabouret? Tu t'es mis plus bas que moi. Je ne suis pas assis sur un tabouret, mais la chaise est un petit peu plus basse ce soir, honneur aux dames, on va faire croire à Nora que c'est elle la plus grande. Bah merci de nous rejoindre sur le chat, donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête, comme Mathieu Delpra qui nous dit où est le chat, où sont les chats, c'est-à-dire que bah, y en a un qui est là. Bah, je vais vous le montrer. Je sais pas si... Voilà. Viens voir là, fais pas le timide. Donc voilà, vous allez voir Newton et on en a deux autres pour qui, hop, et Plume. Donc voilà, le chat est là. Le terrible, alors si ça coupe en plein direct, c'est lui. Attention, on voilà. A lâché le fauve. Donc voilà, il passe de temps en temps. C'est vrai que ces derniers temps, on pense à fermer la fenêtre à cause de Newton qui regarde déjà le projecteur et qui se dit tiens, il serait mieux par terre. Hein, si je on pense faisait que tomber. Je vais arranger un petit peu l'angle, ça serait pas mal. Et puis sinon voilà, de temps en temps quand même, on laisse la porte ouverte, mais ils sont libres de venir ou pas. Mais souvent c'est Pookie, moi, que j'ai eu lors d'une dernière émission, qui est venu dormir carrément sur moi. Elle est plus calme. Elle est beaucoup plus calme. Quand on la voit venir, elle est plus calme. Lui, franchement, je stresse là en me disant qu'est-ce qu'il va faire. Pour l'instant, Newton fait le sage. On va voir si ça dure. Avant de prendre vos questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à soumettre à Nora ou à moi ou aux deux en même temps, faites-le sur le chat, les amis. Avant ça, on voulait quand même prendre un petit moment sur ce dernier direct 2020. Avant tout, pour remercier toutes celles et ceux qui nous ont soutenus au long de cette année. Quand on parle de soutien, il y a bien entendu un soutien financier. Toutes celles et ceux qui prennent le temps de faire un petit virement PayPal, d'envoyer un petit chèque. Tous les tipeurs d'ailleurs sur Tipeee, on vous remercie énormément parce que c'est vrai que là-bas, comme sur PayPal, vous pouvez mensualiser et nous, ça nous permet d'avoir une visibilité. Sinon, il y avait le chat comme là ce soir où je vois 4 créatifs qui nous dit un énorme merci Nora, Guillaume, les intervenants, les modos et tous les Nuréens pour cette année riche en échanges. Je vous kiffe. Merci beaucoup pour ton soutien aux médias et pour ton message, bien évidemment, sur le chat. Merci énormément et à tous ceux qui le font. Nuria TV a besoin de vous. On ne vit que grâce à vous. On arrive à faire toutes ces émissions grâce à vous. Et c'est vraiment votre média. Donc, plus vous êtes nombreux à être là, à être présents, à nous soutenir aussi, que ce soit en participant au chat avec les commentaires, les compléments d'information ou la partie financière qui est tout aussi importante pour continuer à pouvoir avancer et vous proposer toutes ces émissions, ça nous va droit au cœur à chaque fois que vous le faites, que vous faites ce geste-là. Donc merci. Il y en a eu quelques-uns d'entre vous qui sont passés le 25 décembre aussi. J'ai vu ça, j'ai eu quelques petits dons arriver par-ci, par-là. Ça nous fait vraiment chaud au cœur parce qu'il y avait comme une sorte de pause pendant le 24-25. Il y en a qui ont pensé à nous pour Noël. Et ouais, ça nous va droit au cœur. Il y a la fin de l'année aussi. N'hésitez pas, ce réveillon. Et oui, j'ai vu quelqu'un qui a dit Sabri, c'est le réveillon. Je me suis dit, allez, on va amener des paillettes. Mets des paillettes dans ma vie, Kevin, voilà, c'est Kevin A, je vous mets des paillettes dans votre vie. Autre chose dont je voulais parler quand on parle de soutien, il y a
encore une fois, on remerciera jamais assez toutes celles et ceux qui font des dons à Nuria TV. Il y a aussi celles et ceux qui n'ont pas forcément les moyens, et ça on est les premiers à le comprendre, mais qui prennent le temps d'être là sur les directs, de laisser défiler les petites pages de pub qui sont sur les vidéos sur YouTube, ce qui apporte du financement à la chaîne, et surtout toutes celles et ceux qui partagent quand sur Facebook par exemple on partage des replays, on partage des émissions, et qui cliquent sur le petit bouton partager, et qui permettent de faire connaître nos émissions un peu plus largement. Donc ça aussi c'est du soutien à Nuria TV et c'est super important, donc merci à vous les amis. Quelques questions qui commencent à tomber pour toi Nora. Robert qui te demande, est-ce que tes genoux vont mieux? Oui, mieux. Alors, alors c'est drôle parce qu'il y a 5 minutes, j'ai tenté de mettre... C'était rigolo. Et je savais que Guillaume était dans le coin et j'ai pas réussi à me relever. Et il allait passer un petit coup de fil d'ailleurs à Jean-Pierre Petit. Donc j'ai dit non, viens me chercher. Donc il y a encore quelques positions que je ne peux pas faire, comme m'être accroupie. Et déjà la descente est compliquée et la remontée est impossible pour le moment. Non mais les exercices à Nora dans le salon c'est quelque chose. Il faudrait que je fasse une vidéo à jour mais on va garder ça secret. Les genoux vont mieux mais il y a encore à développer. Mieux. Mais voilà, c'est en cours. Je voulais aussi remercier, j'en profite aussi parce que je vois Marie pareil qui nous fait un don. Merci beaucoup, je vais acheter mon bulletin de notes, j'ai 10 sur 10. Non, Marie, mais en fait tu as 20 sur 10 Marie. Et j'en profite pour remercier notre super team Modo. Vraiment, merci à vous, on fait un clin d'œil à Béa qui fête son anniversaire ouais, ce soir. Gros bisous. Donc voilà, on lui envoie plein de bisous si jamais elle regarde en replay. Joyeux anniversaire à toi. Bien sûr, un gros bisou à Run qui nous a rejoint à la rentrée, qui fait un travail exceptionnel, vraiment, je te remercie énormément de nous avoir rejoints sur Nuria TV. On avait besoin de toi et tu fais un taf de dingue, donc je te remercie beaucoup. Et évidemment, aux anciens, Michael, Togiro, Audric, bien évidemment, auquel on pense très fort, qui a beaucoup de boulot de son côté, donc on le voit moins sur le chat, mais il est jamais très loin, Audric, donc c'est juste un régal de l'avoir avec nous. Donc on a une team Modo au top, et Togiro, faut qu'on s'appelle. Je crois que je dis ça à chaque fois qu'il y a une émission, Togiro, faut qu'on s'appelle. Donc voilà, j'espère à très vite, et ouais, c'est une équipe de folie, et je sais que vous les appréciez aussi beaucoup, parce qu'on voit aussi beaucoup de vos messages en fin d'émission pour les remercier, parce qu'ils ont permis de faire en sorte que le chat soit fluide, simple, tranquille. Donc voilà, désolé pour ceux aussi qui auraient eu un message qui aurait été supprimé et tout ça. Ça peut arriver que sur la rapidité du chat, que ça arrive comme ça, on se trompe en fait, on clique sur un nom et en fait c'est l'autre qui est pris. Donc voilà, vraiment, je m'excuse pour eux parce que je l'ai déjà fait moi-même. C'est le dur exercice de modération. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, la modération en général, donc ça c'est 1% de la modération qui peut être due à des petits bugs comme ça de rapidité, sinon 99%, bah forcément c'est justifié, vous le savez, sur le chat, on n'a pas envie que vous ne puissiez pas poser certaines questions, en tout cas dans les formes et avec du respect. Ça, c'est très important. Il faut savoir que Nuria TV, vous pouvez en profiter librement. Les intervenants viennent gratuitement sur le média partager des informations. Et le minimum qu'on demande, c'est du respect et de la communication amicale. Ou ça peut être du troll humoristique, ça passe, il n'y a pas de souci. Et même c'est recherché. Bah oui, la petite blague qui nous ramène les pieds sur terre quand on va trop la tête dans les étoiles, c'est cool. Mais notre équipe de Modo sait reconnaître donc, ce qui peut aller trop loin et ce qui finalement passe très très bien. Parce qu'ils se sont aussi quand même une petite équipe de trolls humoristiques, justement, notre chère team Modo. Ils sont très forts nos Modo. Et quand on parle de la team Modo, tu parlais d'Audrey qui est moins présent sur les chats. Il y en a aussi un auquel on pense régulièrement, c'est Benoît, qui est plus dans cette incarnation-là, qui nous a quittés il y a déjà quelques temps. Mais on en profite aussi pour saluer sa mémoire et où qu'il soit, lui faire un gros bisou. Je suis sûre qu'il n'est pas loin. Je suis sûre qu'il n'est pas loin parce qu'on avait eu ce petit signe-là avec la petite plume. Quand on parlait de lui, on était en terrasse d'un café et il y a une petite plume qui tombe pile à ce moment-là et on en avait parlé lors des émissions. Il était présent et je pense qu'il est toujours Modo, mais de l'autre côté. on n'oublie pas Benoît. Voilà, c'est tout. Il fait partie de l'équipe. Une autre question, je les prends à la volée. Hello Wasmer, alors ça c'est un pseudo imprononçable, excuse-moi, on va l'appeler Hello, qui nous dit « Bonsoir à toutes et à tous, je vous suis depuis peu, vous êtes en couple, point d'interrogation, bisous. » Réponse courte oui, et nécessaire, oui, nous sommes en couple depuis plus de 20 ans. Bah, en janvier, le 1er janvier, ça fera 21 ans. 21 ans, un beau chiffre. On est un vieux couple. Papy, mamie.
Avant de poursuivre sur les questions, les remerciements aussi, on ne les oublie pas, tous nos invités, tous ceux qu'on a reçus cette année 2020 et qui sont venus nous enrichir de leurs connaissances, de leur expérience, ceux qui les ont précédés les années auparavant, eux aussi, ils font que Nuria existe, que Nuria est de plus en plus intéressant. Donc on les salue tous, on nommera personne, mais un gros bisou à toutes celles et ceux qu'on a eu la chance d'inviter et de recevoir sur notre média, pour les émissions qu'ils ont préparées avec nous, pour tout ce qu'ils ont pu nous apporter. C'est vraiment une chance qu'on a de voir ces gens-là accepter nos invitations à venir s'exprimer sur ce média-là. Donc on pense aussi à eux très fort. Alors, Michel qui nous dit, en parlant de plumes, c'est elle qui est devant la caméra? Non, là, c'est nous avons Newton. Vous avez les oreilles de Newton. Voilà. Et non, plume n'est pas là. Plume ne vient pas trop sur le média. Plume... on va dire, elle surveille de loin. En fait, c'est vrai qu'on a l'habitude de l'appeler notre syndicaliste, mais vraiment parce qu'on déjà on kiffe, pourquoi pas. Mais dans cette petite société, Plume, c'est celle qui revendique les pauses, les moments de repas, les moments pour se détendre. Et donc quand elle arrive sur Nuria TV, souvent elle arrive, elle court sur la pyramide, elle vient s'installer tout en haut, donc on la voit pas, c'est coupé au niveau de la caméra ou à peine les pattes, et puis elle surveille, ensuite elle redescend et elle part. Mais elle va pas être vraiment devant l'écran. Elle est derrière, elle surveille, elle contrôle. Et c'est vrai qu'elle nous rappelle parfois qu'il faut aussi se reposer, nous aussi, prendre du recul avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on écoute sur Nuria TV. Cette année a été folle, je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas quelle a été l'info, par exemple, à vous concernant, qui vous a un petit peu troublé cette année. Il y en a une quand même qui a occupé toute la sphère. Ah, mais sur les émissions, tu veux dire. Oui, sur les émissions. Oui, parce que sinon, à ce moment-là, non, on a une petite actu qui nous concerne un petit peu tous mondialement, d'accord, mais sur Nuria TV, si vous avez quelque chose qui vous a un petit peu perturbé ou qui voilà, c'est, ou qui vous a fait n'hésitez pas à nous partager tilt. Sur le chat. Ça serait intéressant quand même d'avoir aussi votre point de vue à vous. Esther qui nous demande des nouvelles d'Elisabeth de Caligny. Eh bien déjà, si Elisabeth nous entend, lui fait un gros bisou. Ouais. Des nouvelles d'Elisabeth, bah, vous le savez tous depuis le temps, au début de l'épidémie, Elisabeth avait attrapé ce fichu Covid-19. Donc elle a mis plusieurs mois à s'en remettre et à récupérer la forme qu'on lui connaît, en tout cas lors des émissions. Et depuis... Aux dernières nouvelles, c'était pas encore à 100%, parce que vous savez, il y en a qui ont un Covid très long, qui dure, et donc bah, malheureusement elle en fait partie, mais c'est une battante, c'est vraiment une guerrière. Mais voilà, elle se repose, je l'ai eu au téléphone, je crois, il y a un mois et demi, 2 mois, c'est tellement long. Il faudra qu'on s'appelle, Elisabeth de Caligny, il faut vraiment qu'on s'appelle. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes si tu nous regardes ce soir. En tout cas, on pense tous très fort à toi, mais ça nous touche beaucoup. Moi, je sais que pendant certaines émissions, on voit des petits commentaires, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Elisabeth, comment va-t-elle? Donc, je sais qu'elle a une page Facebook sur laquelle elle n'est pas forcément très présente ces derniers temps. Mais vous pouvez quand même avoir des informations en direct via la page Facebook d'Elisabeth de Caligny. Il y a toutes les émissions qu'elle a faites chez nous, il y en a d'autres sur d'autres plateformes, il y a son livre, je vous rappelle donc quand même qu'Elisabeth de Caligny a écrit un livre, donc n'hésitez pas à le retrouver. Là, c'est écrit comme elle parle, donc vraiment allez-y, c'est du bonheur. Donc si vous avez une petite pause... Elisabeth de Caligny, le roman, c'est génial. Oui, le tout dernier roman, ouais. qui est édité par Antoine de Miasme, si j'ai bien suivi tous les détails. Non, c'est pas celui-là, non. On parle d'un autre, Nora. On parle d'un autre. Oui, bah, ouais, alors t'as pas suivi là-dessus. Attends, moi je vous montre celui-ci, moi je parlais de celui-là. Non, parce qu'il y a un autre roman qui vient de sortir, qui a été édité justement par Miasme. Par Antoine de Mias. J'ai oublié le nom, si quelqu'un peut le mettre sur le chat, on est preneur. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur la page de Miasme TV sur ce nouveau roman. Il y avait un crowdfunding, je crois que le roman va sortir ou est sorti. Toujours est-il qu'Elisabeth, bah, on nous demande... Elisabeth, on avait dit que tu devais te reposer. Et tu écris un roman. Oui, mais je pense que ça lui fait du bien. Beaucoup de gens nous demandent à quand une prochaine émission avec Elisabeth. Il y a un truc qu'il faut, c'est respecter les envies et les aléas de la vie que peuvent rencontrer les gens. Et c'est ce que nous on veut faire avec Elisabeth, avec tout ce qu'elle a pu nous apporter en termes d'émissions, de connaissances et de partage. C'est le minimum qu'on lui doit. C'est pas nous qui irons lui mettre la pression pour absolument revenir faire des émissions, lui disant « Elisabeth, quand est-ce que tu reviens ?» Mais c'est quand tu veux. On lui laisse le temps, mettre en place les projets qui lui semblent importants sur le moment. Penser à sa santé avant tout et lui faire encore une fois des gros bisous, parce qu'Elisabeth, c'est une belle personne et une des belles rencontres de Nuria TV.
Alors, je voulais remercier Alain Battant. Merci pour ton soutien aux médias en passant par le chat. C'est ce qu'on peut voir, en fait. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui passent par le site directement, mais merci à vous. Et Nathalie qui nous dit « Très belle émission et découverte pour Geneviève Delpech. Coup de cœur pour moi. Mmh. » Moi aussi, c'est quelqu'un qui m'a surprise par sa simplicité, son amour des autres, son amour de la vie. Et effectivement, les informations qu'elle nous a partagées, notamment dans l'émission toute récente qui s'appelle Prédiction sur Nuria TV, c'est juste waouh. Il faut ça. Asseyez-vous si vous n'avez pas vu cette émission avec Geneviève Delpech sur Nuria TV qui s'appelle Prédiction. Asseyez-vous, allongez-vous. Carrément. Chez vous, prenez un petit doudou, dites-vous ça va aller. Mais elle a une façon de raconter, de même de partager des informations assez troublantes, parce que ce sont des différentes prédictions, notamment sur 2021 jusqu'à 2030, aux alentours de 2030. Ça va être compliqué, mais voilà, elle nous a partagé ça vraiment avec la transparence qu'elle connaît, et avec toute la bienveillance qu'elle sait être à ce moment-là, quand les informations sont difficiles à entendre. Et je la remercie beaucoup pour ça. Et j'ai vu qu'il y avait un autre nom qui était Sylvain Didelot. Et c'est vrai que les deux nous ont rapporté quasiment, j'ai envie de dire, à 99,9% les mêmes prédictions. Donc c'est rassurant, parce que ça montre que finalement, il y a la même base de données quelque part qu'ils partagent. Il y a une information commune. Il y a une information commune, même si le contenu de ces informations-là peuvent être assez troublantes. Et moi, pour le coup, ça fait partie des choses que j'ai apprises cette année. Je suis contente de le savoir, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'en passer. Mais en même temps, tu vois, le fait de ne pas savoir, finalement, tu aurais plus peur. Tandis que là, tu sais que ça va être compliqué, donc tu t'y prépares et... Oui, puis avoir peur. Ça te pourquoi, permet de... Hein. Mais j'en sais rien, pourquoi, moi j'ai pourquoi, des peurs comme ça qui peur. Ressortent. Hein, c'est mais pas, toi, tu c'est connais pas, pas c'est ça. C'est pas utile. Yves qui nous demande, bonsoir, dans l'année à venir, aurions-nous des news de Thierry Jamin et des momies non humaines de Nazca? Merci pour votre TV. Des news de Thierry, c'est pas impossible qu'on en ait. Là aussi, si Thierry passe jeter un coup d'œil sur cette vidéo, bah, gros bisous à lui, à Alain et à toute l'équipe d'Inkari. Sur le dossier des momies, en fait, pendant toute une période, on a fait énormément d'émissions parce qu'il y avait énormément de nouvelles infos qui tombaient régulièrement. Donc, on essaie de mettre à jour pour que vous soyez en même temps que nous informés des nouveautés. Depuis que les corps des momies ont été déposés, remis officiellement à l'université d'Ica, je crois, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de travaux qui soient sortis. Donc, mais au moins, elles sont protégées. Elles sont protégées, mais... Là, par exemple, sur le premier trimestre 2021, faire une émission sur les momies sans avoir de nouveaux éléments, il n'y a pas un grand intérêt, si ce n'est répéter ce qui a déjà été dit. Donc, non, vous avez fait un ouvrage, par contre, sur les recherches oui, de Thierry Jamin. Oui, il y a des livres qui sont en train de sortir récente. Sur ça, donc je pense peut-être qu'on en parlera. Mais personnellement, j'attends qu'il y ait des nouvelles infos, des nouvelles analyses, des nouvelles études menées par les équipes de l'université d'ICA pour y voir plus clair. Et de toute façon, c'est un dossier, on l'avait dit d'entrée de jeu, hein, ça fait 4 ans, je crois, que ça a été initié, ce dossier. Moi, je l'avais dit à l'époque, dans 20 ans, on sera encore en train de revenir là-dessus et d'essayer de démêler le vrai du faux, parce qu'il y a du vrai, il y a du faux là-dedans. Donc on va prendre le temps, on y reviendra quand il y aura des éléments ou quand viendra la période de faire un bilan sur tout ça. Pour l'instant, c'est encore un petit peu trop tôt, donc... C'est pas nous qui faisons les recherches, on n'a pas ça. Les corps à Saint-Étienne pour les analyser, ni les compétences, donc on va faire confiance aux gens qui sont en train de bosser dessus. Exactement. Et puis dès qu'on en saura plus, eh ben, on essaiera d'avancer, de comprendre un peu mieux ce dossier des momies, qui est toujours aussi troublant quelques années après. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Mickaël, Yana, je te vois sur le chat, ainsi que Grégory Cross. Merci beaucoup. Et j'avais un autre commentaire que je n'ai plus sous les yeux, mais quelqu'un nous a parlé de Philomène. Donc voilà, une rencontre très 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 intéressante cette année aussi. Philomène et notre ami Laurent Boulanger. Bah oui, Philomène, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est l'un des guides avec qui est en contact Laurent Boulanger. Et à chaque émission, elle communique via Laurent des informations qui sont souvent très pertinentes et une manière hyper pédagogique d'expliquer les choses de l'invisible pour lesquelles il n'y en a pas forcément de mots
pour vraiment décrire de quoi il s'agit. Donc, Ouais. Oh, faut que je vous raconte un truc. Parce qu'en fait, on a parlé de Geneviève Delpech, Sylvain Didelot, et avant, je sais plus le pseudo, mais vous m'avez demandé comment allaient mes genoux. Et là, je vois Philippe Génin qui nous dit la transincarnation avec Sylvain, la dernière émission avec Sylvain Didelot sur la transincarnation. Nous avons plusieurs vies qui se jouent en même temps. Et je vous invite à la regarder parce que c'est un nouvel ouvrage, c'est une histoire dingue, c'est une pierre en plus à l'édifice. Maintenant qu'on a bien avancé, on en est à 4 ans Nuria TV, donc on a des nouvelles thématiques à aborder, des nouvelles pièces du puzzle. Donc ça s'agrandit, mais ça devient encore plus fou. Et ben vous savez quoi, à la fin du live, pendant le live, ça m'avait démangé avec cette histoire de genou, parce que sincèrement, je sais toujours pas ce qui s'est passé. Hein. On m'a pas dit que j'avais les ligaments qui avaient lâché, et on m'a pas dit non plus que il y avait le kiné qui avait dit que j'étais potentiellement née sans ligaments. Enfin, mais le chirurgien devrait nous le dire, ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les genoux vont pas bien? Donc je me suis fait opérer des deux. Donc tout va bien aujourd'hui, quasiment. Mais voilà, c'est bien. Et je touche du bois. Mais que ça aille bien, que ça continue à aller bien. Mais sur le coup, ça me démangeait parce que Sylvain nous avait expliqué qu'il se pouvait qu'il nous arrive des choses pour donner un coup de main à nos autres transincarnations. Et là, comme c'était une histoire un petit peu folle, ça m'avait démangé pendant le direct. Et juste quand on a arrêté le direct, donc juste après, on peut discuter un petit peu, quelle est une autre date, tout ça. Et là, c'est Sylvain qui me dit, bah, tu sais ton histoire de genou, là, tes opérations. Je dis, bah oui. Il me dit, bah, c'était pour une de tes transincarnations, donc qui est danseuse et qui j'ai pris sur moi de me faire opérer des genoux, ce qui fait que j'ai récupéré en gros ce mal à réparer. Comme ça, elle a pu danser plus longtemps. Alors, c'est vrai que pendant une fraction de seconde, je me suis dit, bah, fais chier. Quand même. Ça a duré une fraction de seconde. Après, je me suis dit en même temps, une danseuse, bah forcément, je veux bien. Moi, je bouge pas de chez moi, donc j'en ai pas forcément énormément besoin de mes genoux. D'ailleurs, on a pu le capter, mis à part la douleur de l'opération, je suis assez sédentaire. Donc, je comprends le pourquoi du comment. Mais c'était dingue. Voilà. Donc, les petites informations qu'on a comme ça au fil du temps pendant les émissions. Donc, je garde quand même un fond de conditionnel, mais comme l'histoire était folle déjà à la base, je me dis pourquoi ça ne serait pas encore plus fou et que ça rentrerait pas dans le cadre de la transincarnation au point où on en est. Enfin, voilà. Incognito qui nous dit, c'est quoi le thème ce soir? Ce soir, le thème, c'est pas, il n'y a pas vraiment de thème ce soir, c'est ce qu'on appelle le conseil des Nuriens, c'est le moment qu'on prend pour répondre aux questions, sortir un peu des sentiers battus et puis répondre nous aux questions que vous souhaitez nous soumettre, les amis. Parce que en temps normal, on essaie de laisser la place aux invités et c'est nous qui posons les questions. Aujourd'hui, c'est vous. C'est ça. Merci beaucoup, Paul-Olivier, qui nous dit « Beau gosse Guillaume avec la moustache. On attend avec impatience Elisabeth de Caligny et Lionel Camille. Longue vie à Nuria TV. » Merci beaucoup. Merci énormément. Merci beaucoup à Nathalie Bernard aussi pour ton soutien. On a parlé tout à l'heure d'Elisabeth. Là aussi, un invité historique de Nuria TV, c'est Lionel, qui est un ami. Et cette année, vous avez pu constater qu'il était moins présent sur Nuria TV parce qu'il cherchait de son côté à développer sa chaîne YouTube à lui, où il continue ses investigations autour des disparitions. Il avait déjà sa chaîne avant Nuria TV, mais bon, c'est vrai que ça demande du boulot Il a décidé de s'y mettre, c'est du boulot, donc il a moins de temps à consacrer aux émissions sur Nuria TV. En attendant, il nous a gratifié quand même de deux belles émissions cette année, dont la dernière sur le 4 Révis Walton. Et lui aussi. Ufologie avec Lionel Camille. Ouais, magnifique. On l'embrasse fort, Lionel. C'est quelqu'un, là aussi, une belle rencontre parmi beaucoup d'autres. Mais c'est un peu à part avec Lionel. Et merci pour son travail qui est vraiment extraordinaire. Alors, merci beaucoup aussi à Joël Vonesch. Merci énormément à toi pour ton soutien. Et bien sûr, je l'avais dit tout à l'heure, Paul-Olivier Saint, mais j'adore ton avatar avec la petite photo de l'arbre. J'adore. Merci beaucoup à toi. Alors, j'ai un autre commentaire de Rémi Philasto qui nous dit « Bonjour Nuria TV, vous êtes mon coup de cœur et vous rendez mes vaisselles, la cuisine et mon ménage beaucoup plus doux. » J'en étais sûre. C'est cool. J'étais sûre. Parce qu'en fait, c'est vrai que les émissions sont longues. Alors, certains peuvent ne pas aimer. Puis j'en suis désolée, on a sur Nuria TV aussi pas mal de petits formats très courts. Et vraiment, cette année, j'ai essayé de faire du 45 minutes. Je vous le promets, c'était le but. Depuis l'anniversaire de Nuria, j'ai jamais réussi. Cherche pas, me regarde pas comme ça, j'ai pas de 45 minutes. Je me suis dit, je vais essayer de faire 45 minutes, 1 heure. Je crois que je me suis rapprochée un peu de 1h15, 1h20, mais je n'ai pas pu faire plus court. 1h30, pour moi, c'est le bon format.
Une heure et demie, c'est très bien parce qu'on a le temps de rentrer dans le fond du dossier. Bien sûr qu'on pourrait parler de beaucoup plus de thématiques avec une version plus courte des émissions, mais sur Nuria TV, on est des passionnés. Et quand on est passionné, bah, ça ne nous dérange pas d'avoir un livre de 500 pages sur, je ne sais pas, le Mont Boutchéguy. À ce moment-là, on se dit, bon, bah, super, on va visiter les D'ailleurs, allées, il va falloir grottes. Faire une émission sur ce dossier-là bientôt. Hein. Mais on oui. va parler. Mais c'est clair. Mais bon, voilà, quand on aime, on compte pas le temps. Et donc, bah, moi, je fais comme vous quand j'écoute des émissions longues, notamment les émissions de Guillaume auxquelles je ne participe pas. Donc à ce moment-là, quand je lance le live et si ça dure 2h, 2h30, bah, je travaille à côté. Donc comme je fais des travaux manuels, vous savez, donc vous avez vu la boutique ExoShop, donc vous pouvez découvrir sur le site, et bah, je fabrique ces choses-là. Excuse-moi Newton. Hein, C'est là que ça se passe. C'est de l'autre côté. Donc là, avec tous ces poils d'hiver, là, il a bien chaud. Donc voilà, ça fait plaisir. Alors, n'hésitez pas, faites votre vaisselle, tout ça, tout ce qui vous tombe sous la main. Alors l'aspirateur, c'est un peu plus compliqué, sauf si vous avez des écouteurs. Mais ça aide. Nuria TV, on voit pas le temps passer. Vous pouvez faire ce genre de petites choses tout en ayant plein d'informations dans votre petit cerveau à travailler. Une petite question piquante. Mais on a dit, on prendrait toutes les questions. Il y a Bob qui nous demande, avez-vous des nouvelles pour le deuxième film de Jacques Grimaud ? Merci. Non, c'est pas piquant. Alors, ça, c'est pas ça. Oui, si, quand même un petit peu, parce que nous, Jacques Grimaud, on l'a accueilli lors de la première année de Nuria TV. Oui. On l'a reçu plusieurs fois. On le remercie d'avoir accepté nos invitations. C'est des interviews qui n'ont pas toujours été faciles. Tant par rapport à la personnalité de Jacques Grimaud qu'aux connaissances qu'il a à transmettre basées sur l'hermétisme et donc une forme de transmission qui est un peu compliquée et à laquelle j'étais un peu hermétique au début. Sur le deuxième film, ce qu'on sait, mais on le sait comme vous, pour l'avoir lu sur différents réseaux, c'est qu'il y a des accusations assez graves d'escroquerie autour du financement participatif de ce film-là. Financement auquel nous, on n'a jamais appelé à participer ou autre. Hein. C'est pas que je veux me dédouaner, mais il faut que les choses soient claires parce que des fois, les gens perdent un peu de vue. Tout ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que pour l'instant, il y a des choses qui se disent sur Internet, qu'on l'air plus ou moins étayées. On va rester fidèle à notre ligne directrice qui a toujours été celle que quand il y a ce genre d'histoire en jeu, c'est la justice qui tranche. Et avec Nora, on en a déjà parlé. Si demain, la justice tranche et estime que Jacques Grimaud et son équipe ont fait preuve de malhonnêteté et ont escroqué des gens sur le financement de ce film, nous, on prendra les mesures qui nous semblent adéquates, notamment au niveau des vidéos qu'on héberge d'interviews de lui sur notre média. Mais les nouvelles ne sont pas très bonnes et c'est assez dommage, mais bon, c'est ce dont j'ai pu lire à droite et à gauche sur le web ces derniers mois. Je crois qu'il y a un groupe d'ailleurs sur Facebook qui en parle très bien, vous serez mieux renseigné que ce que je pourrais vous dire. Autre question. Moi, je parle pas, mais j'ai pas trop suivi, en fait. Tu suis les trucs ou... J'ai pas trop le temps. Gérard qui nous dit, Guillaume, parle-nous du film d'Howard Crowther, s'il te plaît. Le film, ben, nous, on a pu le découvrir en même temps que Nora et puis les donateurs. On a fait, en fait, une émission privée en début de semaine dernière, lundi. Donc forcément, 95% d'entre vous ne sont pas au courant, puisque c'était une soirée privée, qui était réservée à toute l'équipe du film. Donc les donateurs, qui sont en gros les producteurs de ce film, et les gens qui ont participé au tournage, au montage, etc. Donc il y a eu une projection privée sur Vimeo, et nous on avait fait un live pour que tous les gens qui avaient regardé le film ce lundi dernier puissent poser des questions à Howard et son équipe. Donc le film, il est prêt, on l'a vu. Est-ce qu'il va sortir ? Ben, je pense qu'Howard est encore en train de réfléchir, étant donné la situation sanitaire. Il est un peu barré au niveau de la diffusion en salle, ce qui était prévu dès le début du film. Il devait y avoir une tournée de projection, comme pour beaucoup de ce type de films alternatifs et documentaires. Apparemment, si c'est comme ça, ça va repousser à 2022. Sinon, Howard va essayer de trouver une plateforme qui veuille bien acquérir les droits, par exemple Netflix ou autre, qui permettrait au plus grand nombre de voir le film. Le film, on l'a vu, il est super intéressant, c'est du Howard Crowther. Le seul truc que je pourrais dire, c'est que les aficionados, ceux qui suivent les travaux d'Howard, qui ont vu toutes les émissions avec Howard sur Nuria, qui ont lu ses livres, qui ont regardé ses conférences, qui... vous apprendrez peut-être pas énormément de choses, en tout cas... Ah, quand même, si, parce que moi, je finis, pardon. Puis tu donneras ton avis. En tout cas, c'est une immense... C'est quand même une belle synthèse de tout ce qu'on a pu apprendre sur Nuria TV. Ah bah, et ça, sur ces dossiers-là... sur ces dossiers-là,
c'est toujours bien de reprendre une vision synthétique de la chose, parce que ça part dans tous les sens, ça devient un peu compliqué. Et justement, il a réussi à faire un film qui va être accessible au plus grand nombre et permettre à beaucoup plus de gens que les aficionados de s'intéresser au sujet des mégalithes. Et c'est pas une mince affaire, donc je pense qu'Howard a fait du bon boulot. Vous pourrez en juger vous-même dès lors que le film sera accessible. Voilà, mais pas mieux. Pour le coup, je l'ai vu, j'ai adoré. Mais bon, merci. Je vois que le temps défile, on prend encore Corentin des questions pendant un quart d'heure. Y aura-t-il Jean-Pierre Petit en deuxième partie d'émission? Oui. Ben, je parle dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure, si tout va bien, on se connecte avec Jean-Pierre et il sera là pour la deuxième partie d'émission. On se mettra un peu en retrait. Il a des choses à nous dire et des questions que vous pourrez lui poser. Alors, est-il envisageable qu'un jour vous receviez David Icke? Ben, tout peut être envisagé. Vraiment, tout, on n'a pas de limite. Après, forcément, si ce sont des anglophones, ça va être difficile, non pas de faire l'interview, mais de vous la transmettre en direct. Donc, ça sera forcément enregistré. Après, c'est une grosse machinerie, là, pour le coup. Donc, il faut, évidemment, c'est toujours mieux d'avoir un traducteur qui puisse bien traduire les questions ou d'avoir des sous-titres qui soient parfaits, ouais. Parce que les sujets sont quand même assez tendus. Donc, voilà, c'est un gros boulot. Mais on dit jamais, jamais. Et puis, on a déjà sur notre site, vous pouvez voir qu'il y a déjà eu des interviews comme ça avec... Robert Salas. Avec Robert Salas, notamment. Et il y a aussi... David Jacobs. David Jacobs, exactement. Donc là aussi, avec des gros dossiers, des grosses informations à chaque fois. Donc, il faut que ça s'organise et que ça se prépare bien comme il faut. Excuse-nous, Newton, hein, tu nous le dis si on te dérange. Et, Marty qui nous dit « Un ami m'a conseillé votre chaîne, vous faites du bon travail. Comment décrire pour vous le contenu en quelques mots? Vu la diversité de celui-ci, la réponse peut être intéressante. Merci à vous. » Éclectique. Ouais, en un mot. Tout à l'heure, quelqu'un disait comment vous définiriez votre chaîne. Eh ben, j'ai envie de dire, Nuria TV, c'est une chaîne qu'on essaye d'être la... voilà, il commence. D'être la moins dogmatique possible. Mais la tu base... vois bien que ça ne tient pas. La base de Nuria TV, c'est que vous avez en face de vous deux curieux. Cette curiosité, ben, dès qu'on trouve des... Ah ben voilà, cette curiosité, dès qu'on trouve des choses, on essaie de la faire partager via des lectures, des émissions, etc. À la base, Nuria TV, c'est aussi simple que ça. On est curieux et on veut partager tout ça. Et il y a des gens qui viennent et qui nous amènent leurs réponses. Merci beaucoup Pierre Choquette, merci, il nous dit merci et bonne année à tous, merci beaucoup pour ton message pour tout le monde, désolé, il va y avoir du bruit, il va peut-être y avoir de la casse, je ne sais pas quel est le carton et ce qu'il y a dedans. Je vais aller chercher, mais... juste une question rapide à Lilia qui nous dit, Guillaume, il me semble que tu avais dit avoir vu des êtres venus d'ailleurs au pied de ton lit. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus s'il te plaît? Sérieux? Non, Lilia, je crois qu'il y a erreur sur la personne. Non, j'ai jamais parlé de rencontres extraterrestres. Pour ma part, j'ai jamais eu d'observation du phénomène OVNI, que ce soit rencontre du troisième type ou observation. Par contre, je finis. Oui, merci. Vas-y, je t'en prie. Rencontre ou autre. J'ai vécu des expériences étranges dans ma vie en lien avec l'invisible, le monde des rêves. Pas mal de choses très très étranges, mais en lien avec le phénomène ufologique, jamais. Donc non, là, c'est pas moi qui ai vécu ça. Je te laisse finir, je vais attraper notre ami avant qu'il t'assure. Je reviens, j'ai une question pour toi après. Alors, question de Benjamin Serra, comment fait-on pour voir un nouvel intervenant sur Nuria? C'est vous qui contactez les gens ou c'est à eux de vous contacter? Alors souvent... On va recevoir un ouvrage, par exemple, et je sais qu'on a un endroit, il y a cette bibliothèque que vous pouvez voir, et ensuite, il y a un autre endroit où on met les autres ouvrages, parce qu'il faut prendre le temps aussi de commencer à les lire, de s'y intéresser, et ça peut arriver tout simplement comme ça, donc je ne sais plus où est l'adresse pour nous envoyer des infos. Vous nous envoyez un mail sur contact@nuria.tv. Il me semble, j'étais pas sûre qu'elle soit sur le site. Ensuite, ça peut être du bouche à oreille. Et ça peut être simplement nos propres recherches. Et c'est ce que j'aime bien. C'est vrai que c'est ce que je préfère parce que je peux suivre le feeling. Il tapote sur le clavier, bien sûr. Si on n'est plus là, vous envoyez un mail à Newton. Si on n'est plus là, on revient. Mais elle prend pas toute la place, toi. Et donc... je sais pas si vous me voyez. Mais...
Mais voilà, ça va être aussi à l'envie. Il y a une thématique qui va nous donner envie, qui va nous plaire. Et à ce moment-là, on va se dire, bon, bah, on va rechercher quelqu'un sur cette thématique-là. Donc, ça peut être par différents biais. Il y a des années aussi où ça va être simplement du bouche à oreille. Plus, par contre, pas uniquement. D'autres années où ça va être nos propres envies. Mais voilà, on se laisse vraiment porter. Puis, il y a aussi des histoires de synchronicité. Quand on va nous parler d'un nom par mail, qu'ensuite, on tombe sur un bouquin. Là, on se dit... Il y a peut-être quelque chose à faire, et après, si on nous en reparle une troisième fois, on se dit non, mais là, on va vraiment aller fouiller. Donc, des fois, on n'est peut-être pas tout seul à chercher et à trouver des intervenants. Donc, voilà, c'est le hasard des choses. Et ce que je voulais te demander, c'est-à-dire qu'il se passe des choses, mais vraiment dans les quelques minutes quand on quitte le direct. Et la dernière fois, donc, tu as fait une émission avec Jean-Pierre Petit, et j'ai eu la chance donc, de les retrouver hors antenne. Ouais, on débriefe après. Voilà, vous étiez en train de débriefer, mais c'est ça, débriefer tes techniques, et bon, après, voilà, ça partait loin. Mais il y avait un truc que tu avais raconté, je me suis dit, mais pourquoi tu ne me l'avais pas raconté avant ta rencontre, comme ça, impromptu, devant un casino, et donc, où tu allais faire les courses. Oui, oui, mais ça, c'est pas du paranormal. Mais il y a un monsieur, je vais faire mes courses dans une supérette à côté de chez nous, un monsieur m'arrête à l'entrée de la supérette. Et je pense qu'il ne me connaît pas. Au début, je me suis dit peut-être qu'il m'a déjà vu sur Nuria, c'est pour ça qu'il m'arrête. Mais à la fin de nos discussions, je me suis rendu compte que mon visage et mon nom lui étaient totalement inconnus. Il m'arrête, il me regarde droit dans les yeux et il me dit « Toi, je vais te le dire, je suis médium et les extraterrestres vont arriver le 21 mars. » Donc moi, bon, il est tombé sur un bon client puisque je fais partie de ces gens qui sont relativement ouverts à la possibilité d'une intervention extraterrestre. Mais c'était quand même assez troublant que ce monsieur qui apparemment était médium m'arrête moi pour me parler de ça alors qu'on se connaît, on s'est jamais vu, je l'avais jamais croisé dans le quartier. C'était et je me demande si ça vous est arrivé à vous, parce que c'est quand même assez fou. En tout cas, écrivez-nous quand la vidéo sera sur YouTube, comme ça, ce sera des commentaires qui pourront rester, parce que je trouve ça quand même assez dingue. Généralement, les médiums ne donnent pas des informations comme ça, mais ce qu'a vécu Guillaume, c'était ce que j'avais pu vivre avec ma sœur quelques mois avant, donc ça ne me concernait pas, c'était pour ma petite sœur. Et un monsieur l'arrête, il lui dit « Excusez-moi de vous déranger ». Donc moi, je me suis bien intercalée entre les deux, là, c'était quand même ma petite sœur, tu lui veux quoi. Et après, il dit « Je suis médium ». Et donc, j'ai un message pour vous, mademoiselle. On était ensemble dans une autre vie, mais je voulais juste vous dire, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Et lui a répété 2 ou 3 fois, vous êtes quelqu'un de bien. Et puis, il est parti, comme il est venu. Puis, en plus, c'était un gars, il était habillé en jogging, il allait certainement à la boulangerie, enfin, prendre son pain. Mais voilà, il s'était arrêté juste pour dire à ma sœur que c'était quelqu'un de bien. Je regarde ma sœur après, et elle me dit, mais c'est dingue, Nora, parce que, en fait, c'est ma question de la semaine. J'arrête pas de me demander si je suis une bonne personne ou pas. Tout de suite, je lui ai répondu, si tu te poses la question, c'est que déjà, t'es bien parti. déjà, à la base, quand on se pose la question, c'est qu'on n'a pas pris un psychopathe. Mais effectivement, là, que ça te tombe dessus, je dis, t'es sûr que c'est vraiment ton questionnement du moment. Elle me dit, oui, parce qu'on ne sait jamais. Des fois, on a des mauvaises pensées, des fois... Donc, voilà, je lui ai simplement, en tant que grande sœur, je lui ai dit, écoute, les actes comptent plus que les pensées, mais pense positive, c'est quand même pas mal. Et voilà, mais... Enfin, on a eu un petit dialogue, mais après coup, je me suis dit, c'est quand même fou, cette synchronicité qui fait qu'elles reçoivent cette réponse ce jour-là, donc en ma compagnie, et sur cette interrogation-là. Et toi, par contre, tu ne te posais pas des questions ufologiques. Ah non, j'étais dans du très terre-à-terre, j'avais la liste de courses, et j'allais à la supérette, je n'étais pas en train de penser aux ovnis. Ça arrive. Un autre dossier, il y a Survive qui nous dit, avez-vous des infos sur les monolithes apparus dans le désert de l'Utah et à Piatra Neamț en Roumanie? Des infos que moi j'ai pu glaner à droite et à gauche, mais au même titre que vous, hein, je ne suis pas plus en avance que vous sur ce genre de dossier. Je pense qu'on est face à une opération de communication. Mais pas de communication extraterrestre, c'est-à-dire que certains se sont amusés à organiser ça. Ce qu'il y avait derrière, j'avais lu quelques articles qui précisaient, je ne l'ai même pas retenu, mais en tout cas, pour moi, c'était pas un dossier important de l'année 2020 qui me semblait plus reposer sur un truc d'être humain qui n'expliquait. Ça pourrait être, alors pour certains, ça serait des artistes en fait, c'est simplement une œuvre artistique et quelque chose, voilà, pour faire parler, pour les artistes, heureusement que vous êtes là, on a besoin de vous, parce que justement, ça crée une émotion, des interrogations, donc là, c'est génial. Et si ça a été enlevé, notamment dans l'Utah, c'est parce qu'il y avait commencé à y avoir énormément de voitures qui arrivaient, qui commençaient vraiment à dégrader le paysage, et ce paysage était tellement magnifique que des personnes habitant ce lieu, ou pas loin en tout cas, les gardes ont décidé de retirer donc ce monolithe qu'il y avait notamment dans l'Utah
hop, en brouette, c'est parti, et ils ont enlevé le truc. Voilà, il y avait notamment un photographe qui était là à ce moment-là, il a pu prendre quelques photos juste avant qu'ils arrivent pour enlever le monolithe. Mais voilà pourquoi en tout cas celui-ci a été retiré, et ça a été retiré par, par des personnes qui voulaient protéger le lieu. Et au vu des photos aériennes du coin, c'était bien vu quand même, ouais, effectivement. Mais la raison, ouais, je pense plutôt que c'était moi, une belle œuvre artistique, je pense plutôt à ça, ouais. Bah oui, artistique, je pense, oui, t'es pas loin de la vérité. On peut se tromper, hein, restons humbles, facilement, il y a un vrai truc mystérieux. Moi, je pense pas. David qui nous dit, pour revenir à mon histoire de médium, à la supérette, entre le liquide vaisselle et le PQ, un médium, classique. Bienvenue sur Nuria TV. Et il y a aussi Vince qui nous disait, faites un live le 21 mars au cas où, en direct de Saint-Etienne, si les... Je suis pas sûr que... Quoi que les petits hommes verts qui viendraient dans la ville des petits hommes verts, ça serait pas mal. Alors, il y a... Bruxbro... Je vais regarder Marcel, qui est juste à côté. Marcel Olga qui nous dit « J'ai eu deux rencontres où j'ai reçu l'info qui se sont réalisées dans ma vie. C'est assez époustouflant. » Donc voilà, Marcel, elle a reçu, pareil, ce genre d'informations comme ça, sur une simple rencontre. Alors, il y a Togiro qui dit « Connaissez-vous les podcasts de Nora ? Ça aussi, ça compte pour la moyenne. » Alors oui, il y a des podcasts. Et là, pour le coup, c'est vraiment... Il n'y a que de l'audio. Vraiment, vous cassez pas la tête, mettez les podcasts, ils sont accessibles aussi librement. Il y a plusieurs heures de podcasts, et notamment sur les histoires les plus folles, celles pour qui on n'a pas forcément d'intervenant qui veut parler de tel ou tel dossier, ou ça s'y prête pas, et où les textes sont là, se baladent sur Internet, donc je vous les ai lus. Et vous pouvez donc les écouter, il y a notamment, alors je crois le podcast qui est le plus vu, c'est le plus écouté, c'est l'interview d'une reptilienne. C'est vrai que c'est assez fou, et quand on connaît l'histoire d'Alien Project, justement, bah, ça nous le rappelle beaucoup. Il y a aussi le podcast sur le plan d'intervention pour sauver la Terre. Donc là, c'est notamment avec le dossier humain, où il nous explique, bon, bah, vous voulez que des aliens vous donnent un coup de main, bah, il n'y a pas de problème, et on va vous expliquer comment on va faire. Et là, quand il nous explique comment il ferait pour nous sauver de nous-mêmes, c'est, et bah, en fait, on n'a pas envie qu'ils viennent, forcément. Donc, ça peut être un peu brutal. Donc, voilà. Je vous laisse écouter ces podcasts-là. Ils sont accessibles site nurea.tv ou sur la chaîne YouTube où vous êtes actuellement. Vous allez simplement dans la section podcast, on vous les a réunis. Et... À ce sujet, voilà. C'est bien qu'on en parle. Je reçois pas mal de mails de gens qui me disent « J'arrive pas à retrouver cette émission sur YouTube. » Il y a quelqu'un qui cherchait les cours vidéo de Howard Crowther sur l'utilisation de Google Earth, par exemple. Ce genre, un exemple parmi d'autres. Quand vous cherchez des vidéos, des émissions Nuria TV, que vous ne les retrouvez pas sur YouTube, c'est qu'elles sont mal référencées et qu'au bout d'un moment, YouTube ne les propose plus dans les sélections. Le plus simple, c'est d'aller sur le site officiel de Nuria TV, www.nurea.tv. Là, vous avez toutes les émissions. Je pense notamment à tous les conseils des Nuréens, les anniversaires Nuria. Eux, au bout d'un moment, on ne les laisse pas en évidence sur YouTube. Non, on les garde que sur le site, voilà, on les range. Ils sont encore présents sur YouTube, mais ils sont plus référencés, donc très difficiles à trouver, alors que sur le site, on a essayé de faire un site qui soit le plus simple possible d'accès pour que vous puissiez retrouver tous les contenus qui vous intéressent. Il y a même une petite loupe pour chercher avec le nom de l'intervenant ou un sujet. Donc, n'hésitez pas. En haut à droite, ça s'appelle un moteur de recherche. Voilà, la petite loupe. Merci Nora. Donc, quand vous cherchez une vidéo, n'hésitez pas à aller directement sur le site Nuria TV. Vous avez 100% de chance de les retrouver. Il y a des... En fait, je rigole un peu parce qu'il y a des trucs qu'il va m'expliquer avec des mots très recherchés. Puis il y a d'autres fois, il y a une petite loupe. Alors, je vois aussi qu'on nous propose énormément de noms d'intervenants, et la plupart qu'on connaît, qu'on aimerait recevoir. Après, je pense que c'est quelque chose que je dis régulièrement dans les conseils des amis, on a énormément de sollicitations. Quand je dis énormément, c'est énormément. Les livres en attente, maintenant, je les mesure en mètres. C'est-à-dire que je crois que j'ai 1,50 m de livres en attente de lecture. Donc, il faut faire des choix. On espère les faire de manière judicieuse. On n'attend pas à ce qu'ils soient compris de tous, surtout des gens qui nous envoient leurs livres, parce que j'imagine que c'est pas agréable qu'on envoie un livre de ne pas avoir un retour positif pour pouvoir faire un live. Mais on n'est que deux, avec des journées de 24 heures comme vous. Encore plus à la fin d'une année 2020 qui a été éprouvante, mais pas spécialement pour nous tous. Je pense qu'on sort tous de cette année 2020 comme si on nous avait passé dans une machine et sans trop savoir si on va relancer le programme en 2021. Donc voilà. Merci de nous proposer tous ces noms.
sachez qu'on fait au mieux et puis avec nos aspirations. Et encore une fois, je vous expliquais tout à l'heure, on est des curieux, donc il y a un truc qui va nous sembler pertinent, on va mettre le doigt dessus et faire une émission. Et on ne s'intéresse pas forcément aux mêmes choses, donc vous avez des émissions assez variées en étant deux sur le média. Il y a Elisabeth Giovanni qui nous dit merci beaucoup, vous êtes super et je veux vous encourager à poursuivre tel que vous êtes, on ne va pas changer, merci beaucoup pour ton soutien aux médias, merci beaucoup Elisabeth. Écoute, je crois que c'est l'heure. Oui. Parce que moi j'aime bien être ponctuelle. Oui, et puis on va pas faire attendre, ouais. Donc on va mettre les petites oreillettes, je vais essayer de connecter. Nora, tu peux prendre une question en attendant, le temps que je connecte, ça va peut-être faire un petit peu de bruit. C'est la première fois, je crois, qu'on fait intervenir quelqu'un au milieu d'émission. Et il faut des premiers atouts, donc on va le faire. J'appelle Jean-Pierre Petit. Allez, c'est parti. Moi, je vous remercie énormément. Donc, il y a eu pas mal de questions. Je vois encore Elisabeth de Calny des Nouvelles. Donc, hop, ces questions, on y a répondu en tout début d'émission pour ceux qui arrivent tout juste, notamment aussi sur Thierry Jamin, qu'on embrasse bien fort, et avec toute son équipe. Donc, merci et merci à lui. Et puis, alors, je vois, de quelle origine est Nora ? Si c'est marocaine, vous devriez faire une émission sur les pratiques mystiques au Maroc et même au Maghreb. En général, il y a de quoi bien avoir la tête dans les étoiles. Alors, j'habite un corps qui vient du Maroc. Je veux dire du bled. Mais c'est vrai que je le dis comme ça parce qu'au final, avec tout ce qu'on apprend, cette fois-ci, c'est ce corps-là, c'est cette génétique-là. La fois prochaine, ça sera autre chose. Voilà. Mais oui, en effet, et moi, j'aimerais beaucoup aussi, effectivement, avoir différentes histoires, différentes légendes aussi, partager des légendes d'Afrique notamment, pas que du Maghreb forcément, mais je sais qu'il se passe énormément de choses. Et d'ailleurs, l'autre soir, je rappelle ma petite sœur qui m'a dit qu'il arrivait un truc très étrange à mon oncle, et elle m'a parlé d'un téléphone qui disparaissait. Du coup, là, je l'ai arrêté et je lui ai dit, écoute, voilà ma petite Rizou, il est 2h du matin, tu me raconteras ça demain. J'aimerais dormir. Donc voilà, j'envoie un petit bisou et puis il faudra qu'on se rappelle, mais il se passe des choses très étranges effectivement, voilà, donc là-bas j'aimerais beaucoup, et notamment si vous y connaissez, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@nuria.tv qu'on puisse prendre contact, et notamment sur les thématiques concernant les histoires, les légendes et les mystères qui se passent en Afrique. Ça serait avec plaisir. Eh bien, écoute, je finis les réglages. Voilà, tout est prêt. Jean-Pierre, merci beaucoup de nous avoir retrouvés. Hop, j'affiche tout le monde à l'écran. Jean-Pierre Petit, une nouvelle fois. J'ai l'impression que ça fait beaucoup ces derniers temps pour mon plus grand plaisir. Bienvenue sur Nuria TV. Écoute, on vous l'avait dit, Jean-Pierre. Si vous voulez aujourd'hui qu'on change la chaîne de Nuria TV à Jean-Pierre Petit TV, on le fait. C'est vrai, on s'y est engagé. Chez vous. Comment allez-vous, Jean-Pierre ? Ça va. Bon, on va prendre quelques questions des Nuriens, peut-être, hein, c'est ça, qu'ils en profitent. On les a prévenus, on leur a dit, voilà, si vous avez des questions à soumettre à Jean-Pierre Petit avant fin 2020, c'est maintenant ou jamais. On commence par ça. Alors, j'avais vu notamment des questions sur cette année et l'année prochaine. Quels sont vos projets pour l'année prochaine ? Bon, ça, c'est pas difficile. Je suis un petit peu silencieux en ce moment, mais en fait, c'est une forge. Hein, et avec mon équipe, là, on prépare de nouveaux travaux, on va rentrer dedans. Alors, il y a une chose en particulier que je suis en train de finaliser, c'est un modèle de galaxie. Alors, figurez-vous que ça n'existe pas. Hein, on a un modèle du système solaire, on a des équations mathématiques, c'est-à-dire que pour les galaxies, alors on se contente de constater qu'il y en a qui sont comme ci, il y en a qui sont comme ça, etc. Il n'y a pas de modèle. Et là, j'ai fait un modèle mathématique de ce truc-là, en tant que solution d'une équation et l'équation de Loisov, et je me suis aperçu, puisque j'ai repris ce boulot-là, que j'avais fait ça en 72, c'est-à-dire il y a près de 50 ans. Et ce travail-là, moi, je pense qu'il est brillant. Hein. Donc, je vais le pousser en avant. Puis alors, surtout, il a une chose assez curieuse, c'est que je vais pouvoir l'expliquer par le menu dans un PDF pour les gens qui sont au niveau MathSup, MathSP. Ils vont tout comprendre. Alors après, quand ça aura été lancé comme ça, avec les explications, on l'enverra en publication. Et à ce moment-là, ces gens qui auront parfaitement compris le boulot verront ce qu'on nous répond, quoi, comme clownerie. C'est pas mal, voilà. Wow. Bon, voilà. Donc, on revient dans la partie avec des balles neuves. Hein. Et 2021, ça va cogner. Ah ouais, là, c'est du lourd. Non, il va y avoir du sport en 2021. Absolument. Je vais attendre que les questions arrivent pour vous, Jean-Pierre. Moi, j'en avais une petite suite à l'émission de la dernière fois.
Pour revenir sur le métaphysicon, si vous avez des questions, les amis, sur le modèle Janus, sur le métaphysicon, n'hésitez pas, il faut y aller, il faut creuser le sujet. Dans le métaphysicon, vous mettiez en évidence les masses imaginaires, les masses et les masses positives et négatives, masses imaginaires, négatives et positives, pour la faire courte. Mais il y a un lien entre ces deux mondes qui nous permet une communication. Dans le métaphysicon, vous parlez de la conscience et vous parliez d'un organe qui serait un organe métaphysique. Quel est cet organe et comment on peut le décrire? J'avoue que c'est un peu au biologiste que je posais la question. Vous savez, on trouve ça dans pas mal de traditions ésotériques. Hein, je veux dire, l'espèce de petite antenne qui nous permet de communiquer avec cet autre monde. Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Mais de toute façon, que ce n'est pas seulement une antenne. Tout notre corps est en contact avec son double, avec son vous savez, les ésotéristes parleront de corps astral, de corps éthérique, de corps causal, de corps ceci, comme des poupées russes, quoi. Alors, c'est assez amusant parce qu'il y a toute une espèce de double, et où est-ce qu'il est? Ben, il est au même endroit que nous, voilà, c'est ça. Moi, je dis, votre âme, elle est là. Puis alors, quelquefois, on arrive à quitter un peu le corps, à faire des petites promenades hors corps, ça, c'est marrant, quoi. Ça serait intéressant de tester, J. J'ai une question, sinon. Vas-y, je t'en prie. De Damien, qui nous dit « Question métaphysicon. Est-ce que Jean-Pierre Petit peut nous expliquer, réexpliquer, la notion de champ relationnel qui est un fondement de son modèle? Cette notion ne me semble pas aussi simple que cela à comprendre. » La notion de champ relationnel. Ben, disons, quand on prend des êtres vivants, ils ne font que ça. Je veux dire qu'au départ, on a des petites bestioles qui se promènent comme ça, elles n'ont pratiquement pas... Bon, il y a des organes qui sont sensibles à la lumière, sensibles à ceci, mais quand vous regardez toute la hiérarchie du développement du vivant, ça passe entièrement par ça. Les animaux apprennent à communiquer, les insectes communiquent avec des phéromones, ils communiquent avec une gestuelle, avec plein de trucs, puis alors après, ben, il y a des organes qui apparaissent, la vision, l'ouïe, l'odorat et tout ça, voilà. Donc, après, il y a une chose extraordinaire, on invente des moyens de communiquer fabuleux. Moi, je trouve que le plus fantastique, c'est l'écriture. Hein. Parce que quand on n'a pas de langage écrit, à ce moment-là, tout est dans la mémoire. Il y a donc des gens qui sont chargés de se souvenir de tout ce qui s'est passé. Tandis que là, quand vous prenez un livre de Voltaire, que vous lisez Candide, vous avez l'impression qu'il a été écrit la semaine dernière. Quoi. Autrement dit, on peut produire des écrits qui vont être lus par des gens 3 siècles après. C'est extraordinaire, ça. Donc voilà une communication différée, vous voyez. D'accord, merci beaucoup. Merci Damien pour ta question. Une autre question de Damien. Damien, il s'est penché sur le métaphysicon et on voit qu'il veut creuser le sujet. Et bien joué, Damien, qui nous dit « La biosphère a des contraintes que l'on connaît, le temps, la matière, la compétition pour les ressources, etc. Est-ce que vous avez une idée des contraintes de la noosphère ?» Les contraintes de la noosphère, c'est une question ouverte. Je veux dire que on ne peut qu'imaginer, comment dire, par exemple, quand des gens disent, mais vous faites une certaine idée de ce qui se passe après la mort, mais pour pouvoir faire un reportage conséquent, il faudrait pouvoir en revenir. Et si vous voulez, les gens qui ont fait des NDE, ils ne sont pas allés très loin, quoi, simplement. Hein. Ils étaient juste sur la porte, quoi, vous voyez. Tandis que là, vraiment quelqu'un qui pourrait vraiment revenir, c'est pas mal, quoi. Bon, autrement, toutes les religions ont leur façon de voir. Alors, la question, est-ce que quelqu'un a raison? Est-ce qu'ils n'auraient pas tous raison? Je ne sais pas. Peut-être que l'au-delà correspond à nos propres croyances. Vous savez, dans le métaphysico, je ne sais pas si vous avez regardé à un moment, cette noosphère, je représente ça comme une espèce de grande amibe, comme ça. Puis il y a des tas de petits nodules, comme ça. Et en fait, je crois qu'il y a... nous ne sommes pas en connexion avec l'ensemble, nous sommes en connexion avec un petit truc, une petite banlieue comme ça. Alors la noosphère, ben, c'est contrainte, c'est que là-dedans, les différentes structures de la noosphère interagissent l'une avec les autres. Et les Grecs traduisent ça merveilleusement avec leur dieu, quoi. Mais vous savez, c'est extraordinaire quand on regarde un peu les mythes grecs. Par exemple, regardez les fleuves qui se trouvent dans l'au-delà grec. Hein. Alors, bien sûr, il y a le Styx qu'on traverse quand on a la pièce de monnaie qu'on peut donner à Charon. Mais il y a un fleuve extraordinaire qui s'appelle le Léthé. Et le Léthé, c'est le fleuve de l'oubli. C'est extraordinaire.
qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Vraiment, quand on regarde, ah, vous avez vu, dans les mythes grecs, il y a le complexe d'Œdipe, il y a tout, quoi. Ces gens-là, ils ont, sous forme de mythes, décrit une palette de comportements humains extraordinaires, et même dans l'au-delà, quoi. Waouh. Encore. Question, allez-y. Alors, une question de Cyril. Alors là, c'est une question type bac. Vous avez 4 heures. On distribue les copies. Question à Jean-Pierre Petit. L'univers est-il un contenant ou un contenu? Je crois qu'il est les deux, quoi, c'est tout. Vous savez, c'est un peu comme si on disait, mais quand je prends une sphère, elle est où? Cette surface fermée, elle est dans quelle autre surface? Vous voyez, il y a le fait, la fermeture géométrique, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à admettre comme ça. Hein, que l'univers, il est rondouillard, quoi. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang? Mais justement, dans le modèle Genèse, c'est vachement marrant parce que le temps se retourne comme un parapluie. Vous voyez. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez, que vous suivez la ligne d'univers jusqu'au Big Bang, whoop, vous repartez avec le temps qui s'inverse. Donc, il n'y a pas d'avant. C'est assez marrant. Et en fait, la question, c'est qu'on a des adverbes qui sont dedans, dehors, autour, avant, etc. Mais qui vous dit que vous avez le droit d'utiliser ces adverbes? Regardez, par exemple, quand je parle de métaphysico, j'explique une chose, c'est qu'au début, la noosphère n'est pas structurée, alors l'univers ne pense pas. C'est normal, il n'y a rien sur quoi se pencher. Alors, un philosophe dirait, mais à quoi pense l'univers dans ses tout débuts? À rien. C'est pas qu'il pense à rien, il pense pas du tout. Alors, imaginez un monde où les pensées n'existent pas, c'est quand même rigolo, quoi. Ah oui, allez, question suivante. A-t-on le droit d'y penser, déjà? J'ai une question de Virgile Guy qui va nous emmener dans les étoiles. Que pense Jean-Pierre Petit aujourd'hui des contacts humides et des messages pas forcément réjouissants qu'il nous donne? Merci. Que ce soit sur Twitter ailleurs. J'en sais rien. C'est vrai que vous savez qu'il y a des messages qui circulent sur des tweets, tout ça, depuis des mois, des années, etc., qui nous prédisent une vraie catastrophe pour le printemps. Alors, c'est vrai que ce qui est annoncé, c'est pas une catastrophe écologique, c'est une catastrophe systémique, c'est une catastrophe monétaire. Et c'est vrai, regardez par exemple la crise de 1929. Imaginez, vous arrivez aux États-Unis en 1928 et vous dites, vous savez, il va y avoir une catastrophe. Les gens diraient, je comprends pas, regardez, l'industrie tourne, oui, mais c'est instable, et quelque chose s'est cassé la gueule. Et c'est plutôt un truc genre 1929 qui prédise, parce que actuellement, vous avez des banques, vous savez que normalement, dans le temps, je crois que les économistes disaient qu'il serait bon que les banques utilisent 10% de leur masse monétaire pour faire de la spéculation. La spéculation, ça ne produit rien. J'achète du franc, je revends du marque, je fais ceci, je fais là. Mais là, ce n'est pas 10%, c'est 90%. Alors regardez les subprimes, il y a toute une... un volet monstrueux qui s'est développé d'action spéculative, et ça c'est une pseudo-économie. Alors de temps en temps ça va mal, et les banques disent « vite, il faut nous renflouer !» Mais si les gens ne marchent pas, vous voyez, voilà, bon, ça c'est ma réponse, c'est qu'on ne sait pas. Ben, on verra bien, en tout cas, pour ces prédictions-là, on va jusqu'à avril 2021, pour ce petit... crack bancaire, on va dire. Donc on verra bien. En tout cas, les prévisions sont dans pas très longtemps. Pour pas très longtemps. Une question de Fred Digital en rapport avec la complexité des théories que vous avancez, qui sont, on l'a déjà dit, nous sur Nuria, quand on parle de, qu'on vous invite à parler de vos livres et de vos travaux, on survole, on garde une partie qui nous permet à nous, non initiés, non scientifiques, de comprendre les tenants et aboutissants de ces travaux-là. Fred, lui, je pense qu'il fait partie d'une catégorie un peu plus développée en termes d'éducation aux sciences, et il vous demande à quand une émission de questions-réponses pour ceux qui ont le niveau maths sup, maths spé, etc. Est-ce que vous prévoyez un jour un échange de ce type-là, mais réservé, pas réservé, mais où on prendrait vraiment des questions de gens... Au moins, les gens sont prévenus. De gens formés entre scientifiques et gens qui se comprennent et qui parlent le même langage. Ben, disons que les 30 vidéos Janus, c'est déjà un gros discours. Et là-dedans, il y a des PDF qui sont costauds. Et si vous voulez, plutôt que les questions-réponses, j'ai encore plein de choses à
à étaler plein de cartes. Par exemple, ce modèle astrophysique, ça va être au début de l'année, vous allez voir, pour les gens qui sont comme ça, ils vont être servis, parce que c'est joli, c'est mathématiquement, ils vont s'amuser. Il suffit de savoir se servir d'une matrice, c'est pas compliqué. Même un type qui est vraiment ouvert pour les sciences, il va apprendre à faire ça, puis il dit, nom de Dieu, qu'est-ce que je suis savant, quoi, c'est tout. Vous allez voir, c'est beau comme tout, moi. Première réponse. Deuxième chose, tout ce que je fais, à côté de ça, ça relève de la relativité générale. Alors là, avec Nathalie, on s'est mis dans la tête, est-ce qu'on pourrait expliquer tout ça aux gens? Alors effectivement, il y a un barrage qui constitue les tenseurs. Les tenseurs, qu'est-ce que c'est que les tenseurs? Ben, on a inventé des tenseurs diagonaux, parce que finalement, comme dit Nathalie, la relativité générale, c'est prendre un canon de marine pour tuer un moustique, quoi. Parce que vous dotez d'un formalisme mathématique extraordinaire, extrêmement général, et vous allez prendre des cas particuliers très simples. Pourquoi ne pas commencer par les cas particuliers? Donc, on va faire ça, ce qui fait que les gens, ben, je dirais que c'est un petit peu la relativité générale pour les nuls, ce qu'on essaye de construire. On va peut-être pouvoir le toucher du doigt, alors. Alors, j'ai une question de Marilyn qui vous demande, qu'est-ce que vous pensez des mégalithes? Des mégalithes, vous voulez dire ce qu'il y a partout dans le monde, ben, vous savez, toute l'archéologie est un mystère, c'est tout, voilà. Moi, je crois que j'ai déjà raconté ça dans votre mission, peut-être pas, mais j'avais un beau-père qui avait voyagé en Afrique du Nord et qui avait ramené d'Égypte une pierre qui avait la forme d'un obélisque dont le bout avait été cassé. Et cette pierre, quand on la prenait, elle brinque-ballait. C'est-à-dire qu'elle n'était pas flexible, elle était articulée. C'est-à-dire qu'on pouvait la poser sur une feuille de papier et la courber pour tracer une courbe. Oh, c'était une flèche assez faible, sur 30 cm, on faisait bien 3-4 mm. C'est déjà énorme. Et alors, moi je sais que ce truc-là, ça appartenait à ce monsieur qui s'appelait Marcel Pelvé de Maisoncelles. Il avait des filles, maintenant ça doit plutôt être des petits-enfants. Où est passé ce caillou? Mais je veux dire, peut-être quelqu'un l'a acheté, qu'est-ce que ça fout dans ce tiroir? Pour moi, c'était l'objet le plus vertigineux qui soit. J'avais amené ça un jour à mon prof de physique quand j'étais au lycée, il avait regardé. Moi, j'ai été témoin de ça entre ma septième année et 35 ans. Quoi. Et donc, c'était quelque chose que je connaissais. Et ça, voilà un truc, c'est énorme. Quoi. Ça n'existe pas. Normalement, ça ne devrait pas exister. Quoi. Qu'est-ce qui est fabriqué à bazar pareil? C'est pas naturel. Ça, c'est un mystère. Ouais. Une question de Cyril qui vous demande... est-ce que vous avez eu des nouvelles de M. Klein qui vous avait promis un débat? Non, je n'ai pas eu de nouvelles, mais j'ai entendu une vidéo très marrante. Et là, on a capturé ce bout de vidéo, parce que dans la prochaine vidéo, je le produirai. À un moment, Klein dit que les intellectuels ont des artifices pour éviter les questions qui les gênent. C'est pas mal. J'ai dit carrément. Et oui, c'est ça. Mais ce pauvre Klein, il est survalorisé. Il n'est ni philosophe ni scientifique, il est un petit peu entre les deux, il vend du langage, comme vous rappelez. Bon, il est très tributaire de tous ses sponsors, quoi. Donc, discuter avec Jean-Pierre Petit, ça pourrait lui coûter des points. D'accord. Alors, autre question de Cyril. Quel est votre avis sur le Covid? Donc voilà, on a une question très terre-à-terre, là, pour le coup. Vous savez, c'est toujours pareil, j'hésite toujours de me prononcer sur les choses que je ne suis pas censé connaître, quoi. Simplement, j'ai vu une petite remarque, comme ma femme est chinoise, donc j'ai beaucoup d'échos sur ce qui s'est passé en Chine. Évidemment, les gens disent des tas de choses sur les Chinois, c'est eux qui ont fait ça pour mettre l'économie occidentale par terre. En tout cas, ce qu'ils ont fait, c'est assez curieux, parce que ça, je l'ai suivi jour après jour, c'est qu'ils ont des mesures extrêmement strictes, ce qui pour eux est très commode, parce qu'ils ont d'anciennes cellules du Parti communiste. Je veux dire, quand on prend un grand ensemble, par exemple, et qu'on décide de le confiner, mais ce n'est pas de la blague, on met des pancartes et les gens ne franchissent pas. Parce que s'ils franchissent les pancartes, il y a le voisin qui dit « Regardez, il est en train de foutre le camp !» Donc ils ont respecté ça avec une grande discipline, et ils s'en sont sortis. Alors actuellement, maintenant, la Chine, ça fait 1,2 milliard habitants, mais il y a 5 cas de Covid. Oui, mais on les a vus, les images, ils sont en boîte de nuit, tout va bien, ils ont repris la fête, ça donne envie. Et s'ils en ont, c'est des trucs d'importation, parce qu'ils ont pratiqué aussi très vite un truc qui était la quarantaine pour les gens qui rentraient. Alors que nous,
on avait les Italiens qui revenaient, il y a les gens qui rentraient de vacances, ça a été le bordel complet. Rappelez-vous, moi je trouve le plus fabuleux, c'est quand le gouvernement a décidé de confiner les Parisiens en disant ce sera effectif lundi prochain. Ils sont tous partis. Il y a 1 million de Parisiens qui ont pris leur bagnole en disant moi je vais dans la maison de campagne. Donc s'il y avait du Covid à Paris, pouf, ils en ont foutu partout. C'est d'une connerie incroyable. Voilà. Alors, ah oui, là c'est complexe. Un révélateur de toutes les sottises possibles. Puis alors surtout, regardez les décrets qui sont pris. Je crois que le dernier, c'était que le gouvernement puisse avoir accès aux renseignements privés des gens pour des raisons de santé. Oui. Donc pour des raisons de santé, on fait beaucoup de choses, quoi. C'est pas mal. Le passeport. Le passeport vert, les Espagnols qui vont faire une liste avec ceux qui ne veulent pas être vaccinés. Donc tout le monde sera convoqué. Celui qui ne se rend pas à la convocation sera noté. On n'a jamais vu un vaccin lancé qui n'a même pas été essayé. Mais c'est effarant. Alors il y a une chose aussi que remarquait un avocat, justement. J'ai mis le lien dans mon site. Si vous regardez là, il fait une diatribe là-dessus et il est assez partisan, quoi. Et il dit la chose suivante, en particulier quand Macron dit nous sommes en guerre, mais même actuellement, il y a une espèce de cellule de crise qui est. Je crois que c'est même dans l'enceinte du ministère de la Défense. Je veux dire que la question de la santé a glissé dans les domaines militaires. Pourquoi ? Parce qu'on ne pourra pas faire d'enquête juridique. Un procureur ne pourra pas dire « je voudrais savoir ceci ». Ah non, vous comprenez, c'est incroyable. Non mais il se passe des choses, les Français n'en sont pas conscients. Et à côté de ça, on peut se dire « pas de problème, grâce à Marine Le Pen, on va faire barrage au Front National, il va être élu l'animal. Pas de problème. » C'est fou, quoi. C'est fou. Alors, élu avec 25% des voix, maintenant ce sera 12%. On va avoir une France macroniste. Les gens ne vont pas aller voter. À quoi ça sert? S'ils ont le choix entre Marine Le Pen et Macron, ils font quoi? Donc il va y avoir une attente. Ah bah on ira à la pêche. J'espère qu'il y aura autre chose. Et à ce moment-là, il dira je suis représentant des Français. Il aura 12% des voix. Mais il est capable de le faire. Pas de problème. Mmh. Alors ouais, vas-y, je t'en prie. Alors, on part dans tous les sens. Hein. Que pense Jean-Pierre Petit sur une dimension sous la nôtre, fondée sur du carbone formé différemment ? Dimension sous la nôtre, formée par du carbone formé différemment. Alors ça... Ça, c'est une question obscure. Je vous l'ai lu tel quel. Je me suis dit, peut-être que je n'ai pas capté un truc. Alors... Si je la reformule, ce serait, est-ce que vous pensez que penseriez-vous d'une autre dimension, comme la nôtre, mais où le carbone ne serait pas agencé, un autre assemblage de carbone, Alors vous voyez, le truc curieux, c'est quand on regarde le modèle Janus, finalement, c'est une façon de dire que la nature a moins d'imagination qu'on croit. Hein. Par exemple, on pourrait dire, mais est-ce qu'on pourrait imaginer une planète où il y aurait des atomes qui ne seraient pas comme les nôtres? Mais non, on a la spectroscopie avec les télescopes, puis on regarde dans le cosmos, on trouve des spectres. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Les mêmes atomes que chez nous. Il y a un moment, on avait trouvé une raie spectrale qui avait l'air d'être un atome exotique. Alors, comme ça venait du Soleil, on l'a appelé l'hélium. Puis après, on l'a trouvé sur Terre. Oui, donc moi je crois que la nature a moins d'imagination qu'on ne croit. Là où il y a beaucoup d'imagination, je pense, c'est dans la noosphère. Là, ça ne doit pas être mal. C'est ce que vous expliquez aussi dans le Métaphysicon par rapport à la bipédie. C'est-à-dire que c'est un modèle qu'on a des chances de retrouver chez des êtres exogènes beaucoup plus que des êtres avec 8 bras, 3 yeux, etc. Ben oui, ben je pense... La nature, ce qui se développe, c'est ce qui est fonctionnel, c'est ce qui marche. Et puis ce qui survit, c'est ce qui est performant. Quoi. Bon, voilà. Question de Jonathan, on est toujours sur le modèle Janus, qui vous demande, est-ce qu'on arrivera à organiser un jour l'expérience d'inversion de masse sur plaque de platine? C'est assez de trucs très intéressants. Moi, j'ai un copain physicien qui gère des gros projets comme ça. Il m'a dit carrément, moi ça m'intéresse. Et c'est sûr que dans cette histoire-là, faut connaître un petit peu le modèle Janus, ses tenants et ses aboutissants. Mais il y a une chose, c'est qu'on va mettre de l'énergie dans une enveloppe métallique, par exemple du platine, et puis peut-être qu'il va se passer quelque chose à l'intérieur. Alors, effectivement, dans un truc comme ça, imaginez qu'on inverse des milligrammes.
Mais c'est que ces milligrammes, ils feraient réagir les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Même ça mettrait les aiguilles en butée, vous voyez. Donc si les gens disent, mais si vous arrivez à inverser un milligramme, comment est-ce que vous le saurez? Ben, on n'a qu'à faire ça devant le générateur. Il va tout de suite répondre. Mais non, mais on y pense sérieusement, quoi. Bien sûr, une théorie qui n'a pas de confirmation expérimentale, ça vaut beaucoup d'intérêt. Alors, merci pour la réponse. Merci. J'aurais une question. Est-ce que vous pourriez nous raconter, s'il vous plaît? Parce que vous... Beaucoup le s'il vous plaît. C'est mignon. Parce que vous nous l'aviez dit hors antenne, mais vous nous avez raconté une histoire quand vous étiez étudiant et que vous aviez fait une blague avec vos copains. C'était d'inverser des panneaux, ce qui était écrit sur les panneaux devant les... Est-ce que vous pouvez nous la raconter, s'il vous plaît? Oui, mais moi je trouve consternant, c'est que les gens ne font plus de blagues. Vous savez, il y a des émissions qui étaient extraordinaires. Il y avait un Canadien qui faisait ça, hein, et à chaque fois les gens sont transposés dans une situation, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, quoi. Et là, quand j'étais un super-héros, le bâtiment se trouvait à Boulevard Victor, sur la ceinture parisienne, mm-hmm. Et c'est un bâtiment très, très austère, tout avec des couleurs, avec des nuances de vert, c'était assez pénible, quoi. Puis il y avait 3 étages, alors le premier étage c'était première année, le deuxième étage deuxième année, troisième étage troisième année. Puis comme c'était un bâtiment très moderne, les 3 étages se ressemblaient absolument impeccablement. Il y avait le même nombre de portes, le même nombre de ceci, de cela. Alors, à ce moment-là, on a une idée assez amusante. Vous savez, il y avait des panneaux comme ça, et ces panneaux, on faisait ça dans le temps, c'était du feutre, et puis on pouvait enfiler des petites lettres en plastique. Donc, quand on voyait secrétariat, ben voilà, des choses comme ça. Voilà. Mais bon, alors, là, un samedi, on a préparé ça le samedi dimanche, et on a permuté le deuxième et troisième étage. Bon, premièrement, toutes les pancartes changées. Mais ensuite, on a bricolé l'ascenseur pour que quand on appuyait sur le deuxième, on arrive au troisième et vice versa. Et le lundi, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde arrive au boulot, les gens prennent l'ascenseur et c'est la catastrophe. Il y a des types qui pètent leurs clés, mais le pire, c'est quand ils arrivent à ouvrir. Alors, je me rappelle l'inspecteur d'études de deuxième année qui se retrouve dans un labo de chimie qui dit: mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ça crée un traumatisme psychologique qu'on n'aurait jamais suspecté. Alors, à un moment, il y a un type qui a dit: oui, oui, j'ai compris, c'est les élèves, ils ont permuté le deuxième et le troisième étage. Les gens les regardaient comme ça. Il y a des tas de profs qui sont rentrés, ils ont pris une aspirine, quoi. Non, mais c'était marrant. J'adore alors... cette histoire. Vous savez, avec Guillaume, on en a ri, mais on en a ri pendant une demi-heure. On en il y avait des fenêtres, mais pour qu'on soit bien sérieux, les fenêtres étaient dépolies jusqu'à une certaine hauteur pour qu'on ne regarde pas, qu'on ne soit pas distrait. Donc personne ne pouvait savoir s'il était au deuxième ou au troisième. C'était formidable. On met des blagues. C'est ça que j'adore, parce qu'en fait, moi, la blague, sincèrement, elle m'aurait suffi juste avec on a inversé le lettrage sur les portes. Pour moi, c'était déjà ça, la blague. Mais après, je me suis dit, mais non, c'est une classe de Jean-Pierre Petit, donc avec ce level d'intelligence. Donc, et là, les gars, ils vont jusqu'à intervertir les touches d'ascenseur, enfin, reconnecter le premier va au deuxième, le deuxième au premier. C'est normal que les profs ont pété un câble en arrivant devant cette porte. Tout était normal pour eux. Ils avaient bien appuyé sur le deuxième étage. Ils arrivent devant la porte. C'est marqué deuxième étage. Et soit ils n'arrivent pas à ouvrir, et si jamais ils y arrivent... C'est plus la même salle. C'est dingue. Mais vous savez, de quoi on se souvient de ces études? On se souvient des blagues qu'on a faites. C'est fantastique, quoi. Quand on se retrouve comme ça et qu'on se dit, tu te rappelles quand on a fait ci, ça, c'était tellement marrant, quoi. Voilà. Mais on n'est pas les seuls à faire des blagues. Par exemple, je connais un polytechnicien qui s'appelle Barlet, qui était rentré premier à Polytechnique, un type très brillant. Et vous savez que l'école politique défile devant le général de Gaulle, le 14 juillet, avec leur bicorne et leur costume, donc en bleu marine. Et à ce moment-là, ces deux sections passent devant le général de Gaulle, et lui, il avait pris un pantalon d'uniforme, puis il l'a mis dans sa barreuse, il l'a jeté par terre. Ce qui fait que quand les types sont partis, il y avait un pantalon. Le général devient blême, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a ramassé le pantalon et les services secrets se sont mis à chercher qui est-ce qui avait fait le coup. Alors, Barlet avait gratté le numéro de série, mais grâce à l'infrarouge, je ne sais trop quoi, on a trouvé qui c'était. Alors, je ne sais pas, mais De Gaulle voulait qu'on le porte au haut et court. Alors, à ce moment-là, il lui a dit, mais c'est embêtant, il est rentré premier. Alors, je crois qu'après, il est sorti également premier, mais il a été rétrogradé à la dernière place pour rayon disciplinaire. Pour une histoire de pantalon. Un exemple. Parlait ensuite, est allé travailler, c'est devenu un monsieur très respecté, un chef de laboratoire, etc. Il travaillait avec un de mes copains,
dans un labo qui était à Hambourg, le labo Daisy. Hein. Et le truc, vous connaissez Milka. Hein. Oui. Milka, il y a un logo où il y a une vache, la vache Milka, avec ses couleurs blanches et violettes. Bon. Et à un moment, ils ont une cafétéria et le fabricant Milka trouve le moyen de mettre sa vache en plastique à côté de la cafétéria pour faire de la publicité. Et à ce moment-là, tous les deux, ils ont une idée, ils sont allés mettre de la bouse de vache dans les bacs. Oh, les chercheurs se sont plaints parce que la vache Milka sentait la bouse. Et il y a eu des coups de téléphone du genre « Mais monsieur, une vache en plastique, ça ne sent pas !» Monsieur, il y a des trucs qui dépient l'imagination, surtout avec les Allemands. Oui, mais l'humour est toujours au top chez les... C'est ce qui sauve. Bon sang, si on rigole pas, c'est la catastrophe. Voilà. Encore plus en ce moment. Je vais revenir quand même à des questions sérieuses, Jean-Pierre. Je vais en prendre de deux auditeurs différents, mais qui se rejoignent. La première, c'est Sei Adama qui nous dit « Que pensez-vous du projet ITER, l'un des projets les plus ambitieux au monde dans le domaine de l'énergie ?» Et il y a Lucien qui, lui, nous dit « Jean-Pierre, quel est selon vous le mode de production d'énergie du futur ?» sur lequel devrait se concentrer la recherche. Oui, ben j'ai deux réponses là-dessus. La première, sur ITER, s'il cherche sur YouTube, il va trouver 10 vidéos de Jean-Pierre Petit là-dessus. J'ai tout expliqué. J'avais un très bon copain. Je suis assez bon dans les plasmas chauds aussi, les plasmas froids, mais chauds aussi. Donc, j'ai fait ces vidéos. Elles ont beaucoup de succès. Et vraiment, j'explique le problème des disruptions, etc. Et le projet ITER... Mais c'est assez catastrophique, parce qu'il y a une chose qu'on ne sait pas, par exemple, c'est que pour ITER, il y a une chambre toroïdale, et à ce moment-là, il faut faire circuler un courant dans ce sens-là, dans le sens qu'on appelle un courant poloïdal. Et pour faire circuler un courant comme ça, eh bien, on a un solénoïde central, et on monte le champ jusqu'à 7 Tesla. Alors, si vous connaissez l'équation de Maxwell, vous avez ρ de E égale moins dp sur dt, ça crée un courant induit, et ce courant induit circule. Seulement, le milieu d'ITER est tellement raréfié qu'avec un champ qui monte tout doucement comme ça, on arrive à faire un courant qui fait des millions d'ampères. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on arrive au maximum, même si ça prend 10 minutes? C'est une machine qui est faite pour marcher 10 minutes. Vous voyez, et des questions comme celle-là, les gens diront, écoutez, si elle marche 10 minutes, c'est déjà pas mal. Mais je veux dire que les tokamaks avec un pylône qui transmet l'électricité au réseau, ça c'est du mythe, la première chose. Alors deuxième question, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Ben écoutez, on s'est beaucoup battu avec un ancien ingénieur de l'armée qui s'appelle Christian Nazet, qui était assez calé puisqu'il avait été responsable des explosions, des mesures sur les explosions souterraines à Mururoa. Et en 2006, je crois, un de mes collègues, je vous raconterai une blague qu'on a fait avec lui d'ailleurs, oh mon Dieu. Mais on était jeunes chercheurs, on avait envie de s'amuser. Je raconte l'histoire. Alors, il fait un article dans Physical Review Day, Over 2 billion degrees, c'est-à-dire plus de 2 milliards de degrés. Et moi, je tombe là-dessus, je lis l'article, je comprends. Et vous savez, il y a une machine qui s'appelait la Z-machine. Et moi, je l'avais vue en 2006, quand j'étais allé aux États-Unis, en 1976, quand j'étais aux États-Unis. C'est une machine qui est un compresseur à plasma. Alors, on prend des énormes condensateurs et on comprime un cylindre pour essayer de faire quelque chose comme ça. Et là, il y a une chose, c'est lorsqu'on comprime, si j'avais un rouleau de papier cul, vous voyez l'âme du rouleau de papier cul, vous voyez, quand vous avez utilisé tout le papier, il reste un truc en carton. Alors vous prenez le truc en carton, et puis hop, vous serez très fort. C'est à peu près ce qui se passe quand vous essayez de faire une compression plasma. C'est-à-dire que dans cette compression plasma, vous avez votre tube en cuivre, par exemple, et vous faites passer du courant verticalement. Et la réaction, ça fait imploser le tube. Mais il y a des instabilités qui font qu'il implose de travers. Alors vous trouverez ça sur Internet, peut-être vous trouverez des photos, vous voyez des résultats de ces choses-là. Donc dans les années 50, les gens se sont dit on ira vers Germain. Alors à ce moment-là, il y a un Russe qui s'appelle Smirnov, que je connaissais bien, il a eu une idée, il s'est dit tiens, au lieu de faire un tube, on va mettre des fils. Alors on va mettre 240 fils en inox, comme ça, donc une cage comme ça. Alors il pensait que peut-être ça empêcherait le courant de circuler latéralement, quoi. Et là, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Parce que figurez-vous que les grandes découvertes scientifiques, souvent, elles sont faites par hasard. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, on n'y avait pas pensé. Alors, il y a une chose, c'est quand on prend un conducteur électrique comme ça et qu'on passe un courant dedans, ben, peut-être les auditeurs savent que quand le courant est à haute fréquence, eh bien, le courant ne circule pas dans la masse, mais à la périphérie. Il y a une profondeur de pénétration, on appelle ça l'effet de peau.
Et quand vous avez un courant qui fait des mégahertz, mais il ne circule pas dans le tuyau. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, qu'on on avait des fils comme ça, qui faisaient un certain diamètre, ils étaient fins comme des cheveux. Hein. Mais ces fils-là, lorsqu'il y avait, je ne sais plus combien, il y avait quelque chose comme 700 ampères qui passaient dans chaque fil, c'est monstrueux. Et le courant passait, mais il passait à l'extérieur. Ce qui fait qu'ils ne se sont pas vaporisés. Et à ce moment-là, les fils ont convergé pour donner un filament qui faisait 1,5 mm de diamètre. Et là, les mesures indiquaient qu'il y avait 3 milliards de degrés. C'est incroyable. Alors, moi, je connais bien Jonas, qui était le chef du laboratoire, qui a dit « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je veux faire des mesures. » Alors, on lui a fabriqué un spectromètre pour mesurer la température, par élargissement de Ray. Si les physiciens m'écoutent, ils sauront ce que ça veut dire. Et ça a confirmé, il y avait bien 3 milliards de degrés. Ah, très bien. Alors, à ce moment-là, on s'est dit « Bon, alors, on a des barres qui sont distantes de 5 ou 6 cm, et puis elles se précipitent l'une vers l'autre à 600 km à la seconde, hein, ça ne plaisante pas. Et à ce moment-là, il y a une énergie cinétique, et ça, c'est la température. Malheureusement, quand on fait le calcul, on s'aperçoit qu'on aurait dû obtenir simplement 200 000 degrés et pas 3 milliards. Donc il y a plus d'énergie que prévu. Alors il y a des gens qui ont commencé à dire « oui, on doit jouer avec l'espace-temps, ça doit être l'univers souterrain qui nous communique son énergie ». Jonas a dit « envoyez ça à l'anglais, là, et lui, il saura répondre ». Et effectivement, mon copain que je viens de citer, j'ai encore oublié son nom, il a compris ce qui se passait. Quand le courant passe, vous savez, quand on fait passer du courant dans des fils ou dans des conducteurs très fortement, il arrive un moment où la vitesse des électrons est tellement grande qu'il ne voit plus les ions. C'est un peu comme si vous rouliez sur une voiture, vous êtes là en moto, vous roulez sur une autoroute, et puis c'est un peu encombré, mais quand vous accélérez, les voitures deviennent des jouets. Et vous passez à côté, vous ne les voyez plus. On appelle ça des sections efficaces de collision. C'est que les électrons passent là-dedans, et normalement, ça ne devait pas marcher. Et à ce moment-là, mon copain anglais, qui est un grand spécialiste pour ça, a montré qu'il y avait une instabilité. Ben, je veux dire, c'est une percée fantastique, parce que quand vous prenez des trucs comme les tokamaks, quand on arrive à 150 millions de degrés, on est content. Là, c'est 3,5 milliards. Et en plus, si on augmente l'intensité, on peut arriver à 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards. Il n'y a pas de limite. Pourquoi? Parce que l'instabilité favorise le phénomène. Alors, comme j'écrivais dans un article, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le problème de Terre, c'est que c'est instable. Et là, si c'est pas... Vous savez, il y a une machine que vous utilisez souvent qui ne marche que parce que c'est instable. C'est la combustion dans vos cylindres de voiture. Si ce n'était pas turbulent, ça ne marcherait pas. Si la combustion se propageait tout doucement, quoi. Il faut absolument que c'est turbulent. Donc, voilà, la turbulence, ça marche. Donc, à ce moment-là, on a compris qu'avec tout ça, on pouvait fabriquer. Alors, si vous suivez un petit peu cette actualité, vous avez la Z-machine. Et puis maintenant, on a fait ce qu'on appelle la fusion magnétisée. On a fait intervenir. Et tout ça, ça débouche sur une possibilité du moteur de temps à fusion. Parce que la machine ITER, c'est jamais que la machine à vapeur. Et nous, on utilise des cylindres de voiture, ce n'est pas des machines à vapeur. Il y a une compression, explosion. Qu'est-ce qui se passe? On comprime un mélange, la combustion se fait, boum, ça propulse la cylindre, l'énergie est stockée dans un volant, et hop, ça recommence. Bon, ben là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a des condensateurs qui compriment le plasma, la fusion se produit, même dans les moteurs de voiture, il y a une bougie. Ben là, la bougie, c'est un laser. Mais un laser d'un térawatt, donc un laser qui vous colle une petite pichenette là-dedans. Moi, je crois à ce système, je pense qu'il faut augmenter Mais moi, j'ai rencontré l'adjoint de Valérie Pécresse, qui était ministre de la Recherche à l'époque. J'ai essayé de lui expliquer, parce que ça aurait coûté 500 fois moins cher qu'ITER. Mais Pécresse, pour elle, Maxwell, c'est l'inventeur du café, vous savez, il ne fallait pas trop demander. Non, mais c'est fou. Quand vous voyez, quand vous commencez à essayer de rencontrer des gens comme ça, c'est effrayant, même au CEA, les gens ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient rien. Alors, il y a une chose aussi, c'est que quand on fait une chose comme ça, on peut chercher à faire la fusion du deutérium et du tritium, qui est celle qui démarre à la plus basse température. Mais comme on dépasse le milliard de degrés, on peut envisager bore hydrogène. Et bore, c'est 11 nucléons, hydrogène, c'est 1, 11 et 1, 12, ça fait 3 héliums. C'est une fusion qu'on appelle aneutronique, dont le déchet, c'est de l'hélium. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, c'est le Graal. Et il y a des gens qui diront, mais est-ce que vous croyez que ça pourrait marcher? Mais il faut essayer. Ça coûte moins cher, beaucoup moins cher. On aurait mis une équipe de 50 personnes, ça suffisait. Techniciens compris, concierges, tout ce que vous voulez. Avec la Z-machine, ça fait 30 mètres de diamètre. Ce n'est pas une grosse affaire.
Il faut mettre de l'argent là-dedans. Mais là, alors, moi, je sais que en faisant ça, on peut faire une fusion pour hydrogène, mais ils ne mettent pas qu'est-ce qu'ont fait les militaires. Ils sont dit formidables. Ce sont des bombes vertes, des bombes sans radioactivité. Donc, c'est toujours pareil. Faites-nous des bombes, l'énergie, on verra ensuite. Alors, on a continué avec Nazet à circuler dans ce monde-là, et la réponse est venue, rien ne se fera sans l'aval de l'armée. Mais il ne s'est rien fait. Alors, je vais même vous raconter une anecdote qui était assez rigolote. À l'époque, j'habitais à Bruxelles, et j'ai eu tout d'un coup un coup de téléphone d'un mec, parce qu'on avait aussi une Z-machine en France. Elle était à Gramma, dans le Lot. Mais c'est une petite pétoire, vraiment. Alors, immédiatement, le CNRS, le CEA, l'armée se sont réunis autour de cette machine. Ils avaient tous l'article de Jean-Pierre Petit, ils avaient tous vu le truc que j'avais fait. Et le problème, c'est que pour que ça marche comme prévu, il faut que la décharge soit très rapide. Il faut que ça se produise dans un dixième de millième de seconde, 100 nanosecondes. Si c'est 800 nanosecondes, c'est trop long. Et pourquoi, vous avez peut-être vu des images de ce cas, à quoi ça ressemble la Z-machine? C'est une piscine, il y a de l'eau. Pourquoi il y a de l'eau? Parce qu'on utilise l'eau comme condensateur. C'est-à-dire qu'on a des condensateurs chimiques qui se déchargent dans l'eau, et après c'est l'eau qui se décharge. Mais l'eau, elle donne son impulsion beaucoup plus rapidement. Donc il faut faire des trucs avec de la flotte, comme on fait les Russes, comme on fait plein de gens. Et les Français, c'était à sec. Et mettre de l'eau, ça ne consiste pas à ouvrir un robinet, à tout remplir. Donc, moi, j'ai eu le type qui s'appelait Jean-François Léon, je crois, quelque chose comme ça, polytechnicien, qui avait construit la machine. Et il pensait qu'il pourrait en faire quelque chose. Il me dit non, vous ne pouvez rien en faire. Elle a 800 nanosecondes de temps de montée. Elle est trop lente. Oh, oui, mais quand même. Je me suis rendu compte qu'il ne comprenait rien. Puis, à un moment, il y a un type qui m'avait arrangé cette entrevue avec Pécresse et son adjoint. Quand j'ai parlé de ça, il s'est proposé pour participer. Alors je me suis dit, on est tellement emmerdé, il a peut-être un carnet d'adresse important, etc. Bon, je n'étais pas contre. Quoique, venir avec un militaire, moi ça me gêne un peu. Enfin, bon. Et à un moment, dans un mail, moi je lui dis, supposons qu'il y ait un écho quelconque. Quand vous allez voir des gens comme ça, ils diraient, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dirais, écoutez, voilà ce qu'il faut faire. Il faut se mettre à 3 ou 4, puis faire le tour du monde. Hein, on va à Sandia au Nouveau-Mexique, on va à Tomsk en Russie, on va voir les grands centres de ce type-là. Et à ce moment-là, moi, je fais délier les langues, hein, et j'explique après. Parce que j'ai l'air bavard comme ça, mais si vous saviez, bon, je raconterais des trucs, comment je fais parler les gens, c'est incroyable. Il faut prendre l'air couillon comme ça. Et alors, à ce moment-là, le type me répond, je ne pense pas que ce soit une bonne idée qu'un non-spécialiste organise ça. C'est moi le non-spécialiste. Alors, moi, je ne réagis pas. Et puis, un mois après, il m'envoie un mail ou il me téléphone, je ne m'en veux plus, en me disant, oui, alors où ça en est? Ben, je dis, écoutez, c'est très simple. Ou vous avez raison, je suis un non-spécialiste et je n'ai rien à foutre dans cette réunion. Ou alors vous vous trompez, c'est vous qui n'avez rien à foutre là-bas. Et blanc. Voilà. Non mais, vous voyez, c'est complètement fou ces histoires-là. Donc voilà comment les projets capotent, ouais. Parce que personne ne comprend rien. Ouais, finalement, il y a beaucoup de médiocrité au milieu de tout ça. Alors au moment où ITER devait se lancer, moi j'ai participé à l'enquête publique. Vous savez, il y a une enquête comme ça. Donc il y avait des commissaires qui étaient chargés d'entendre un peu tout le monde. Moi, j'avais un autre discours. Je n'avais pas un discours d'écologie, je n'avais pas un discours de financier. Je disais, ça n'a pas marché. Et je voulais rencontrer les gens d'ITER. Ils n'ont jamais voulu. Jamais voulu. Alors, il y a un truc même, c'est que quand j'ai publié un article là-dessus, il y a même eu quelque chose qui a circulé à la Commission européenne. Ça commence à être grave. Quoi. Bon. Le CEA a publié 11 pages sur moi, en français et en anglais. J'ai demandé qui avait écrit l'article. Pas voulu me dire. Mais c'est pas mal. Quoi. Mais mes vidéos ont beaucoup de succès et elles sont très claires. Hein. C'est vraiment, vous verrez. Alors, ça fait. Mais si je l'avais fait en anglais, ça aurait été encore pire parce qu'il y aurait plein de gens qui auraient pu comprendre. Il faudrait qu'elles soient toutes traduites. Bah, sur une question cruciale, quand même, l'énergie, on est au centre. C'est la question des sociétés. Oui. Puis l'énergie verte. À un moment, je faisais du planeur à Vidon, et Vidon, c'est en face d'ITER, c'est à côté, dans le même coin. Quoi. Et alors, ITER était en train de se construire avec le grand bâtiment dans lequel on va mettre tout le bazar, quoi. Ça se voit de loin, quoi. Ça fait je ne sais pas combien de mètres de haut. Et à un moment, il y a un Italien qui vient à Vidon avec son petit avion, il se pose et tout ça.
puis il dit bonjour à tout le monde. Après, il repart avec son avion et il prend la direction, il survole l'ITER. Alors, immédiatement, la radio appelle, dites à votre gars que c'est interdit de survol. Alors, à ce moment-là, on lui a dit que ce n'était pas possible de survoler ça. Il a dit, ah, oui, je comprends, je vais éviter le parc de loisirs. ITER finira au parc de loisirs, vous verrez. C'est ça. C'est d'accord. Ça. Bon, j'ai une autre question qui va nous emmener encore une fois la tête dans les étoiles de Cyril. Et d'ailleurs, merci beaucoup à William, merci à tous ceux qui nous aident, qui nous soutiennent sur le média. Nous, on a besoin de cette énergie-là économique, en plus de votre énergie, votre présence ce soir pendant l'émission. Donc Cyril qui nous dit, je reprends une question de Jérémy Harris. Quel est votre dernier contact, donc le plus récent, avec les Humites et par quel média ? Téléphone, mail, lettre, télépathie ? Et concernant le surnuméraire, quid de l'Inde en avance par rapport à nous ? Surnuméraire, c'est quoi ? J'en ai pas plus, donc c'est vrai que ça peut partir dans tous les sens. Mais... C'est contact, c'est pas important. C'est le côté un petit peu folklorique des choses, quoi. Moi, je ne fais pas trop attention à tout ça. La question, c'est pas la date, c'est pas comment ça s'est fait, est-ce que c'est un coup de fil, Alors, il y a des gens qui m'ont dit, mais est-ce que vous gardez les lettres pour ça ? Non, j'ai tout paumé, je m'en fous éperdument. Ce qui compte, je les scanne et je garde le double dans mon ordinateur. Mais les originaux, ça a disparu. Voilà. Ce qui compte, c'est le contenu et ce que ça vous a donné comme information pour avancer. Vous savez, on mène actuellement une course contre la montre. Et par exemple, comme vous me disiez, le dernier contact, ça doit être octobre 2018 ou 2016, je ne m'en rappelle plus. C'est le métaphysico. Et ça, c'est hard. Et ça, c'est extrêmement important. Le métaphysico, c'est 10 fois Janus. Janus, c'est rien à côté. Montrer que le voyage interstellaire, c'est possible, c'est une chose. Mais tout d'un coup, montrer qu'on peut réfléchir sur nos croyances... Ça, c'est énorme. C'est énorme. Et vous comprenez bien, quand vous lisez mon bouquin, que je ne suis pas en train de vous vendre un modèle. Quand je vois des bouquins où un type écrit que... La conscience est une structure gravito-quantique à 3 niveaux. Non, moi je dis pas ça. Voilà. Comme vous disiez, vous nous amenez la trousse à outils et, et tout ce qu'il faut pour se dépêtrer là-dedans. Il n'y avait pas une question sur Cometa, non ? On va y venir. D'ailleurs, on va finir ce live sur ce sujet-là, qui est un sujet, parce que Israël a été un peu au centre de l'attention de la communauté ufologique ces derniers temps, avec les déclarations de l'ancien responsable des services spatiaux. Vous, récemment, vous avez pris le temps de traduire ce qui est l'équivalent du rapport Cometa en Israël. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots ? Il y a un type qui m'a envoyé un lien vers un truc qui a été écrit, ça doit faire 40 ou 50 pages, c'est quand même pas rien, et c'est Ayman d'un centre de réflexion Begin Sadat. Hein. Et c'est un peu l'équivalent de l'Institut des hautes études scientifiques, des hautes études de la Défense nationale, puisque c'est très axé sur la sécurité et sur la stratégie. Donc ces gens-là, ça regroupe des gens de différents horizons. Et là, il y a un article d'un gars qui s'appelle Frank Milgrum, quelque chose comme ça. Il a pondu cet article qui a été publié là-dedans. Et on aborde carrément le sujet OVNI. Alors, je ne sais pas si vous savez, aux États-Unis, il s'est créé un truc, c'est TTSA, To the Star Academy, the Star Academy, avec le gars qui est ancien rocker. Tom DeLonge. Tom DeLonge, bon. Et puis, il y a aussi Lou Elizondo, Chris Mellon, etc. Et là, je voyais passer encore un truc, sans doute les internautes ont vu ça aussi, le torchon brûle. C'est-à-dire qu'ils disent, on ne fait rien dans ce bon Dieu. Alors, moi, j'ai regardé tout ça, j'ai vu une chose, alors, d'abord, comme je voulais vraiment lire ça de façon approfondie, je l'ai traduit. Hein, je l'ai traduit avec un traducteur automatique, en me remettant un peu les phrases, donc ça marche assez vite. Moi, je me suis tapé ces 50 pages, ça m'a quand même pris une journée ou deux. Qui sont disponibles sur votre site ? Voilà, c'est sur mon site, donc les gens ils pourront aller voir ça, etc. Alors, simplement, ce qu'on remarque là-dedans, c'est que le leitmotiv, c'est vraiment pourvu que les Chinois et les Russes ne comprennent pas avant nous.
C'est vraiment uniquement les armements, la stratégie, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette distorsion de l'espace? On pourrait faire une arme, on pourrait... On prend un gars, on lui fait sauter ses plombages dentaires à distance. Enfin, c'est incroyable. Je donne un exemple. Par exemple, Lou Elizondo, il a participé à une rencontre aux États-Unis avec Pinotti, qui est un ufologue italien numéro un, et il y avait des représentants de l'armée italienne. Et l'armée italienne avait amené des documents avec des photos. Ils ont eu, il y a quelques années, un hélicoptère de l'armée qui s'est collé un coup de rayon émis par un laser. Alors, vous savez, les pannes d'hélicoptère, on n'a pas besoin de les découper. Si on fait un trou dedans, ça se met à vibrer. Alors les types, ils ont pris un pen dans une panne, boum, boum, ils sont posés, ils étaient tout contents d'être un seul morceau. Et à ce moment-là, on voit la photo de la panne d'hélicoptère avec le trou. Et à ce moment-là, Lou Elizondo dit: nous avons maintenant la réponse. C'est-à-dire que c'est les ennemis potentiels. Il faut préparer des armes. Mais vraiment, par rapport à des gens qui nous visitent, ça veut dire préparons nos arcs et nos flèches. Quoi. C'est vraiment ça. Et quand vous lirez ce rapport israélien, mais c'en est comique. Quoi. C'est vraiment. Il faut absolument qu'on mette de l'argent, des forces. Alors il y a un truc aussi marrant, c'est qu'il y a un Américain qui dit: oui, mais on se heurte à une chose aux États-Unis, c'est que quand on explique ça aux sénateurs, aux décideurs, chez eux, il y a des évangélistes. Alors, ils disent que c'est le diable. Si on les a expliqué que c'est extrême. Oh, mais c'est... Bon, alors là-dedans, il y a un type qui s'appelle Frank Sarfati. Sarfati, ça veut dire français en hébreu, c'est assez rigolo. Et alors, je lui ai écrit et il m'a répondu. Donc, il y a un truc, c'est que je me suis récupéré toutes les adresses e-mail d'Elizondo, de Chris Mellon, donc je vais essayer d'aller à la pêche un petit peu là-dedans. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Moi, j'ai fait une vidéo qui s'appelle OVNI et science, hein, et puis il y a aussi le modèle Janus. C'est comme à la pêche, on ne peut pas dire que j'ai amorcé un max. Alors, est-ce qu'ils connaissent ces trucs-là? Parce que même Elizondo peut comprendre. Pourtant, ce n'est pas des lumières, ces gens-là. Mais, hein, franchement. Donc, est-ce que ça... Bon, qu'est-ce qu'on peut en tirer? J'en sais rien. Qu'est-ce que vont faire les Israéliens? Nous, on continue notre stratégie. Et la stratégie, déjà, je suis bien content d'avoir sorti le métaphysicon, parce que c'est ça, le message. Et ça, s'il y a des gens qui pouvaient se dire, nom de Dieu, est-ce que vraiment je vais trouver 12 vierges dans l'au-delà? Si c'était une blague, c'est une blague. Hein? C'est dingue. Effectivement, ça permet, le métaphysicon permet de revoir toutes ses croyances et de les laisser à la place qui est la leur. Et quand on regarde la religion chrétienne, les conneries qui ont pu se promener là-dedans, regardez avant que n'apparaisse le protestantisme, le commerce des indulgences. Mais même quand vous regardez la Bible, hein, prenez la phrase de l'évangile de saint Matthieu, quand il dit... Il rapporte les phrases du Christ disant: et c'est sur toi que je fonderai mon église, et ce que tu liras sur terre sera lié dans le ciel, et que ce que tu déliras sur terre sera délié dans le ciel. Il est le seul à le dire, mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est donner le droit de l'excommunication. Après, le représentant, le pape, qui est le successeur de Pierre, pouvait excommunier quelqu'un, ce qui fait qu'à ce moment-là, il allait aller en enfer. Vous vous rendez compte la force que ça avait, un truc pareil? Et combien de gens se sont entretués pour ces choses-là? On n'a rien à dire de ce côté-là. C'était superbe. On a tout fait. Ouais, donc la réponse. J'espère que vous êtes nombreux à vous être procuré ce livre, Le Métaphysicon. Si ce n'est pas le cas, essayez de vous le procurer, de le faire commander par votre bibliothèque. Ça peut être pas mal aussi. Le but, c'est qu'un maximum de gens puissent le lire. C'est le livre à lire cette année. Il est dans mon top 3. Métaphysicon, nous avons une âme qui survit après notre mort. Cela se démontre scientifiquement. Alors, vous savez pas la meilleure. Moi, je ne suis pas franc-maçon. Mais j'ai eu des échos. Ce livre intéresse beaucoup les francs-maçons. Donc, il y a un bon écho là-dedans. Mais j'ai pas... Les scientifiques, c'est le silence total. Tiens donc, quelle surprise. C'est étrange, mais il est très très intéressant. Et pour ceux qui aiment avoir autant les pieds sur terre que la tête dans les étoiles, là, on en a beaucoup parlé de la vie après la mort sur Nuria TV, mais avoir un livre qui arrive à démontrer ça scientifiquement, il faut le lire. Ça va vous donner une vision du recul sur beaucoup de choses. Non, vraiment, le Métaphysicon, c'est le livre qui m'a fait du bien en cette fin d'année. Moi, ça m'en a donné aussi du recul, franchement. Le premier bénéficiaire, c'est l'auteur. Parce que tout d'un coup, en voyant ça, je me dis, bon sang, ça a une logique, tout ça.
Et en fait, que ce soit dans les bouquins que j'ai écrits ou dans celui-là, il y a cette espèce de logique du vivant, de logique de des sociétés. On n'est pas le centre de l'univers. Vous voyez déjà, à travers ce livre-là, si les gens pouvaient comprendre que leur petite cathédrale, c'est pas le centre de l'univers. Voilà, Rome, c'est très joli. C'est fou, quoi. Puis alors, franchement, le peuple élu, Jérusalem, c'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est très bien tombé que... à peu près à la même période sortent la Bible en BD, Jésus de Nazareth, le deuxième livre en BD que vous avez écrit sur l'histoire du Nouveau Testament, et après le Métaphysicon. Tout ça a créé un ensemble qui permettait de l'aborder avec recul, réflexion, et je pense que ça ferait du bien vraiment à beaucoup de monde. Alors après, ne jetez pas vos croyances et vos orties, simplement gardez ce qu'il y a de bon dans vos religions et évitez de prendre les conneries. Dans la religion chrétienne, c'était pareil. Regardez, quand Paul dit « Armez-vous du casque de la vertu, du bouclier de la foi », enfin, c'est effrayant. C'est vraiment, les guerres de religion sont écrites là-dedans. Et ne formez pas d'attelage avec les incroyants. Mais c'est pareil, on n'a rien à dire. Il y a Camille Ferdinand qui dit « Votre matrice est bien bouclée, bravo, c'est admirable. » Bon, Jean-Pierre, en tout cas, merci infiniment encore pour cette soirée. On n'en demandait pas tant et on en a eu plus que... Ça va. Oh là là, vous savez... C'est du bonheur de vous avoir. Ok, toutes ces blagues, qu'est-ce que je me suis... Écoutez, je pense à cet Anglais. Comment je n'arrive pas à me souvenir de son nom. On était dans un congrès en Pologne. Et en Pologne, il y avait le représentant français qui s'appelait Ricato. C'était un type très sérieux. Il a une pipe. Il était dans un coin très constipé. Et j'étais avec mon Anglais et des Polonais et tout ça. Et dans le bar, il y avait une prostituée. Alors, à ce moment-là, on s'est cotisé, on lui a filé de l'argent. On lui a dit, vous voyez le type là-bas, il est très morose parce que sa femme l'a laissé tomber. Et à ce moment-là, elle s'est jetée sur lui en disant, mon chéri, il ne faut pas être triste comme ça. Alors, autre chose, par exemple, dans ce même congrès, moi, j'avais sympathisé avec la fille de l'île touriste qui s'occupait qui était dans l'hôtel. Et au moment où le congrès se termine, il n'y avait pas d'autobus, il n'y avait rien. On s'est retrouvés à 5 ou 6, dont Ricato, comme des couillons, devant l'hôtel. Tout le monde avait pris les taxis, il n'y avait plus rien. Et à ce moment-là, tout d'un coup, une énorme voiture s'arrête avec un type à casquette qui dit « Vous êtes le professeur Petit, votre voiture ?» Et il me fait un grand salut avec sa casquette. En fait, c'était la fille du touriste qui l'avait appelée en disant « C'est un copain, amène-le. » Alors à ce moment-là, les autres me regardent comme ça et je leur dis « Vous voulez profiter de ma voiture ?» On va dire « Écoutez, vous voulez qu'on aille à l'aéroport ?» Alors on va à l'aéroport avec cette voiture de ministre. Quand on arrive là-bas, le truc, c'est qu'on avait des feuilles de change. La monnaie polonaise, c'était le zloty. Et la feuille de change qui faisait qu'on ne pouvait pas faire du trafic, quoi. Moi, j'avais pas toute la feuille de change. Et à ce moment-là, Ricato rigole en disant « Ah là là, Petit va avoir des emmerdes, là, parce qu'il a perdu sa feuille de change. » Et moi, j'arrive devant la fonctionnaire avec ses épaulettes, vraiment comme capitaine de garde-côte. « Avez-vous feuille de change ?» Et moi, je dis que c'est perdu. Et à ce moment-là, j'ai cette phrase, je dis « Oh, Matkowska. » Et ça, c'est du polonais. Et ça veut dire « Oh, d'où je... Oh, mère de Dieu, quoi. » Et quand on dit ça à Polonais, on le touche au cœur. Elle m'a embrassé sur les deux cheveux. Oh. Mais qu'est-ce que vous lui avez dit? Rien, j'ai appris un peu de polonais. Quand je suis arrivé à Varsovie, ils étaient tous constipés, tous les ingénieurs du CEA. Moi, je vais voir le barman et je lui dis, voilà, une plaque en carton, un marqueur. Vous écrivez « Jeune chercheur français, cherche des Polonais avec qui faire la fête ». Et je mets ça dans le dos, j'ai fait 100 mètres, j'étais invité, quoi. Et alors, le truc même, il y a un musée à Varsovie qui s'appelle le musée Mickiewicz. Hein. Et dans ce musée, les Polonais ont fait une chose, ils n'ont pas assassiné leurs aristocrates, ils en ont fait des gardiens de musée. Donc, il y avait des dames qui étaient là et qui parlaient français entre elles, d'ailleurs. Et alors, elles étaient en train de faire de la restauration de tableaux. Et oui. Et moi, je lui dis, c'est super ce que vous faites. Elle me dit, vous voulez essayer? Je dis oui. Et à ce moment-là, je prends les pinceaux et je fais un peu de la restauration. Elle me dit, regardez, il sait peindre. Alors me voilà invité par Madame Markowska dans son petit appartement du centre-ville, quoi. Et alors, le truc, c'est que quand je rentre à l'hôtel le soir, tout d'un coup, le barman dit, Monsieur Petit, il est là, oui,
j'ai Madame Markovska au téléphone. Bon, alors à ce moment-là, ça y est, vous avez déjà des relations. Et à ce moment-là, il m'invite à dîner. Et le plus drôle, vous savez quoi? Il y avait des boîtes d'allumettes et c'était le château Markovski. C'était le château qu'ils avaient avant où il y avait 150 chambres. Non, c'était pas là que j'étais invité. Et le comte Markovski disait, vous savez, avant, avec toutes ces chambres, quand il y avait des fuites, c'était compliqué. Là, j'appelle le gouvernement. Il dit, venez. Ils sont tranquilles. Et oui. Et tous ces colloques, c'était formidable. Quoi. Ah ben, moi, je me lasse pas de les entendre. Mais pareil. Vous savez, prenez Velikov, par exemple, qui a été vice-président de l'Académie des sciences. Moi, je l'ai connu, jeune chercheur. Et après, quand on se retrouvait dans les colloques, il disait, Jean-Pierre, tu as la guitare? Oui. Nous, on a balalika ce soir, la fête. D'ailleurs, à tout hasard, vous n'auriez pas la guitare avec vous? Si, j'ai toujours eu. Hein, j'ai longtemps que j'ai... Si, la guitare, je l'ai promenée partout. Hein. Ah, ben, je sais pas, si on pouvait finir cette soirée avec une chanson, ça pourrait être bien. Ah, guitare, non. Non, vous n'avez pas avec vous? Non, elle n'est pas à côté. Non, mais prochaine fois. Une prochaine fois, avec plaisir. Il faudra démarrer l'année en chanson. On en aura besoin pour 2021. Pour se donner de l'élan pour 2021. Ouais. En tout cas, on prépare les cartouches. Parce que là, franchement, vous savez, quand je pense à ce travail que j'ai fait, j'ai publié ça en 1972, il y a 48 ans. C'est un truc brillant et intéressant. D'ailleurs, Jean-Pierre, fais-nous un bouquin qui s'appellerait « La faillite de la science française ». Vous savez, je vais attaquer en janvier. Peut-être que je citerai des noms, mais je dirais, vous savez, vous payez des impôts, vous avez une armada de clowns qui vous racontent des contes de fées. Ils n'ont rien à vendre. C'est incroyable. Enfin bon. Allez. 2021 va être en couleur. Jean-Pierre, merci pour tout. Merci de finir cette année avec nous sur Nuria TV. C'était vraiment un honneur, c'est une chance, c'est génial de vous écouter, partager. Alors bien sûr, j'ai pas le niveau pour tout, moi je suis plutôt littéraire, mais alors toutes les anecdotes de vie, j'adore. Oh. J'adore. Nora, elle m'en reparle 3 jours après, mais cette histoire. ça m'aura peut-être des idées au Nuria, il faut faire des blagues. Mais ouais, faisons des blagues. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai. Regardez, par exemple, il y avait un couloir, un super-héros sans lumière, où il y a un apparitaire qui venait l'appel par derrière. Et bien, on a été acheter des œufs périmés au hall et on a tapissé le couloir d'œufs. Il est arrivé là-dedans, il a marché dans les œufs. C'était drôle, quoi. C'est horrible. Si ça peut donner des idées à quelques-uns, les Nuriens, envoyez-nous les photos de vos blagues. Ça fait du bien, ça fait des belles histoires. Après, on en rigole aussi sur le coup. Donc, non, c'est une très belle leçon de repenser à s'amuser et à faire des blagues et ce genre de blagues. Alors, on n'aura pas tous des blagues du level d'un Jean-Pierre Petit. Trafiquez pas l'ascenseur de l'immeuble, les amis, si vous ne connaissez pas. Juste un peu. Une chanson que peut-être les Nuriens ne connaissent pas, et ce n'est pas une chanson de moi, mais c'est tout à fait ça. Nos ancêtres, les Gaulois, tête en pointe et crâne de bois, chantaient toute la journée pour empêcher le ciel de tomber. Faut rigoler, pour pas que le ciel nous tombe sur la tête. C'est ça, il faut rigoler. Je vous l'avais dit qu'on finirait en chanson. Merci beaucoup, merci les amis, merci pour votre présence ce soir, merci pour toutes vos questions ce soir pour Jean-Pierre Petit, merci pour tous vos messages que vous lui envoyez. Nous aussi, on l'aime énormément, on vous aime Jean-Pierre, ne changez pas, ne changez jamais et continuez dans vos recherches parce que vous trouvez et ça fait du bien. Un chercheur trouveur. Ouais. Vous connaissez une phrase de, je crois que c'est Oscar Wilde qui disait, pourquoi être simplement désagréable quand on peut s'offrir le luxe d'être carrément odieux. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, 2020 est annoncé. 2021, ça va être carrément odieux. Merci Jean-Pierre, merci Nora d'avoir partagé l'antenne avec moi ce soir. Merci à vous les Nuriens d'avoir suivi ce direct. Merci pour votre question, merci pour votre soutien. Prenez soin de vous et puis surtout, n'oubliez pas, on garde les pieds bien sur terre et la tête dans les étoiles. À très bientôt, ciao. Ciao.